Messieurs, je vous propose de débuter maintenant cette séance du Conseil municipal. Je vais vous en donner le déroulé. Pour commencer, donc, on va avoir l'installation d'une nouvelle conseillère municipale et d'un nouveau conseiller municipal suite à des démissions. Ensuite, je procéderai à l'appel des membres présents, puis à la nomination du secrétariat de séance. Nous aurons un temps d'hommage à deux anciens élus, Annette de Toledo et Claude Collin. Ensuite, il y aura un tour de parole habituel des groupes politiques, suivi ensuite d'une proposition de report d'une délibération suite à un ajournement du côté de la métropole. Voilà par rapport à ce début. Vous verrez, il y a aussi un certain nombre de modifications dans les délibérations qui vont porter sur soit le renouvellement de la représentation au sein du CCAS, donc il y aura aussi un vote à faire à ce moment-là. Il y a aussi une modification du règlement intérieur qui va introduire des modifications législatives récentes. Et puis, il y a aussi des modifications à venir sur les questions de présentation comptable en changeant de M14 en M57, tout cela étant très technique. Donc, je vous propose de commencer. Donc, je vous informe que nous avons reçu un courrier le 7 juillet 2022 de la part de Madame Agnès Bonvalet, conseillère municipale, informant donc de sa démission. Et la démission présentée par courrier du 16 septembre 2022 par Monsieur Romain Legrand, conseiller municipal, qui étaient tous les deux élus sur la liste de la majorité, la gauche rassemblée, Saint-Étienne-du-Rouvray, solidaire et dynamique. Donc, conformément à un article du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Préfet a été informé de ses démissions par un courrier adressé au mois de septembre. L'article du Code électoral L270 précise que le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Ainsi, dans l'ordre de la liste, Madame Karine Pégon est appelée à remplacer Madame Agnès Bonvalet et Monsieur Fabien Leseigneur est appelé à remplacer M. Romain Legrand au sein du conseil municipal et par conséquent dans l'intégralité de leurs fonctions. Le tableau du conseil municipal a été mis à jour, M. le préfet est informé de la modification et donc je prends acte de l'installation et je vous invite aussi en tant que membre du conseil municipal à prendre acte de ces deux installations, Mme Karine Pégon et de M. Fabien Leseigneur, en qualité de conseillère et de conseiller municipal. Voilà pour cette installation. Nous allons procéder ensuite donc à l'appel des différents membres. Joachim Moïse, présent. Anne-Émilie Ravache. Présente. Madame Léa Pavelski. Présente. Monsieur Pascal Lecousin. Présent. Monsieur Édouard Bénard. Madame Muriel Renaud, Monsieur David Fontaine, présent. Madame Nicole Auvray, présent. Monsieur Didier Quint, présent. Madame Catherine Olivier, présent. Monsieur Gabriel Moba, présent. Monsieur Francis Chiligère, présent. Monsieur Ahmed Akari, présent. Monsieur Dominique Grévrand, présent. Monsieur Hubert Vulfranc. Alors Hubert Vulfranc va nous rejoindre, mais pendant le temps de son absence, il a donné pouvoir à Madame Anne-Émilie Ravache, Madame Nadja Hatif, a donné pouvoir à Monsieur Francis Chiligère, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Monsieur José Gonsalves, Madame Laetitia Lebéchec, Monsieur Mathieu Villela, Monsieur Grégory Lecomte, Madame Aube Grandfond-Cassus. Présent.
Madame Juliette Biville. Madame Caroline Langlois. Alors, Madame Caroline Langlois. Donner pouvoir à Madame Nicole Auvray. Madame. Non, on est à Monsieur Jocelyn Chéron qui a donné pouvoir à Pascal Lecousin. Ensuite, José, il est là, donc ce pouvoir de José ne sera plus là à partir de 20h. Donc le pouvoir, José, je le prends en compte, à partir de cette absence, donné à Didier Quin. Ensuite, nous sommes à Johan Kerwell, Madame Aliachek, Madame Lise Lambert a donné pouvoir à Monsieur Johan Kerwell, Monsieur Brahim Charafi, absent, sans pouvoir. Madame Sarah Tessier, absente, sans pouvoir. Madame Noura Amish. Monsieur Serge Gouet. Absent. Madame Karine Pégon. Monsieur Fabien Leseigneur. Bien, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite en particulier la bienvenue à ce premier conseil municipal pour Karine Pégon et pour Fabien Leseigneur. Nous allons donc désigner le secrétariat de séance. En l'absence de Caroline Langlois et de Jocelyn Chéron, je propose le secrétariat de séance à Johan Kerwell. Ensuite, nous avons eu un mois de septembre et un mois d'octobre douloureux, puisque deux élus nous ont quittés. Et je voudrais commencer par saluer la famille de Madame Annette de Toledo, famille qui se trouve dans la salle, donc son mari et sa fille. Et je voudrais leur dire effectivement l'hommage que notre ville, que le conseil municipal rend à Annette de Toledo. Avant d'habiter à Sotteville-lès-Rouen, Madame de Toledo fut une élue de Saint-Étienne-du-Rouvray qui s'est investie dans la vie municipale, notamment en tant que représentante d'élèves et aussi concernant la défense des droits des femmes et de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Son parcours professionnel en tant que conseillère au planning familial l'a amenée à accompagner et à aider un très grand nombre de personnes. Elle intervenait régulièrement dans les collèges de Saint-Étienne-du-Rouvray à ce titre. Adhérente au Parti socialiste, Annette de Toledo fut conseillère municipale auprès de Michel Grandpierre de 1995 à 2001. Elle fut aussi adjointe auprès d'Hubert Villefranc de 2002 à 2008. Elle était en charge de la protection de l'environnement, des risques naturels et du développement durable. Elle nous a quittés, et elle n'est pas la seule, puisque nous avons perdu aussi un ami et un fidèle serviteur de la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, Claude Collin. Claude Collin est né ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il en a incarné les valeurs humaniste et de justice sociale pendant toute sa vie. Il est d'abord un militant attaché à la lutte des classes et proche du monde ouvrier. C'est grâce à ses mandats syndicaux à la CGT, au sein de l'usine Grande Paroisse de Grand-Quevilly, où il occupe un poste d'électromécanicien, que Claude se forge une culture politique solide. Il devient adhérent du Parti communiste français en 1975. Claude
devient élu au service des Stéphanaises et des Stéphanais en 1983, année où il rejoint l'équipe municipale de Michel Grandpierre. En 1989, il devient son premier adjoint, en charge du personnel et des finances. Jusqu'en 2008, il était alors sous la mandature d'Hubert Franc. En parallèle, il a honoré des mandats de conseiller général de 1993 à 2015 dans le canton de Sotteville-lès-Rouen-Est. 32 ans furent ainsi consacrés au service de ses concitoyens. Un grand nombre de Stéphanaises et de Stéphanais ont en mémoire la personnalité de Claude Colin. Pour toutes et tous, Claude est un homme d'engagement et de conviction, un homme loyal, cultivé, rigoureux, travailleur et tenace. Par-dessus tout, c'est un homme attentif, opposé aux inégalités et profondément humain. Son parcours d'élu municipal aux finances a notamment été marqué par des contextes budgétaires et politiques compliqués, avec des dotations qui se réduisent et des transferts de charges de l'État vers les collectivités peu ou mal compensés. Les élus stéphanais actuels savent ce qu'il en est. Grâce à ses compétences de lecture comptable, il présentait de façon précise et approfondie les questions financières en conseil municipal, notamment lors du débat des orientations budgétaires qui va encore nous concerner ce soir. Il avait à cœur de décrire toutes les actions de notre service public municipal, tout en développant les arguments pour expliquer nos choix de gestion, une gestion sérieuse et solidaire, une gestion de résistance et ambitieuse pour les gens. Mais pour Claude, les chiffres devaient être au service de l'humain d'abord. En 2008, à l'occasion de son retrait de la vie municipale, le journal Le Stéphanais titre « Claude Colin, des chiffres et des êtres ». Ce titre traduit bien son engagement pour améliorer la vie de toute la population et son profond attachement au service public municipal. C'est ainsi qu'il concevait aussi sa fonction d'adjoint au personnel. Le personnel, pour Claude, n'était pas une charge, mais une richesse au service de toutes et de tous. Je le cite, permettez-moi. Le contact avec les agents, leurs compétences, leur sens du service public, tout cela m'a beaucoup apporté et enrichi. L'enrichissement était réciproque. Pour elle et pour eux, Claude Colin était bienveillant, très juste, à l'écoute, tout en sachant être ferme. Au-delà du personnel municipal, Claude avait aussi à cœur d'être en proximité en tant qu'élu, avec chaque Stéphanaise et chaque Stéphanais. Il était très apprécié pour cela par les habitants de la commune. Il mettait un point d'honneur à suivre avec ténacité chaque sollicitation jusqu'à ce qu'une réponse puisse être apportée. Claude était un ami. J'ai beaucoup appris à ses côtés, comme d'autres. Par exemple, les premières adjointes, Francine Goyer et Anne-Émilie Ravache. Par exemple. Je retiens de lui en particulier toute cette richesse humaine que Claude a apportée à notre ville, à sa ville, et dont je peux témoigner en tant que maire. Je présente au nom de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, du conseil municipal et des agents municipaux, à la famille d'Annette de Toledo, à la famille de Claude Colin, Marie-Thérèse, Stéphane, Marie-Vonne, à tous ses proches, tous leurs proches, mes plus chaleureuses condoléances. Concernant Claude Colin, dans les semaines à venir, nous marquerons un lieu de notre ville en sa mémoire, par un geste municipal, solennel et symbolique.
Je vous en tiendrai informé personnellement. Par cet acte, la population stéphanaise pourra rendre un dernier hommage et remercier un homme qui l'a considérablement servi dans un engagement humble et généreux. À présent, je vous invite à faire une minute de silence en pensant à Claude et à Annette. Je vous remercie. Bien, à présent, nous allons nous tourner vers des éléments d'appréciation à la fois du contexte général et du contexte plus local. Et j'invite les différentes forces ou composantes politiques représentées dans ce conseil municipal à prendre la parole pour un tour de parole. Oui. C'est où déjà ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Alia qui va porter la parole de notre groupe. Je voulais très rapidement prendre la parole pour remercier le maire pour cet hommage qui a été rendu à ces deux élus et également faire part de nos condoléances à leurs proches. Merci. Merci beaucoup. Alia Chek. Ah oui, c'est un micro. HF. Je vous remercie. L'inflation contraint notre commune à diminuer dans l'urgence ses dépenses et à économiser notamment nos dépenses énergétiques. Il va y avoir des mesures exceptionnelles et ponctuelles dans ce contexte. Mais notre ville doit aussi accentuer son travail en matière d'économie de nos ressources en général. Et le contexte doit nous pousser à aller plus loin. Nous savons que les réserves d'énergie fossile sont limitées. Elles seront épuisées d'ici 2100, y compris les réserves d'uranium. Elles sont inégalement réparties et la consommation mondiale ne cesse d'augmenter. À l'échelle de notre commune, ces questions ne sont pas nouvelles et ont fait l'objet d'un travail lors du précédent mandat avec l'agenda 21, dont Fabienne Burel, ancienne adjointe au maire, était en charge. Des investissements dans de grands projets de rénovation et de construction ont contribué à l'économie des ressources. Ce sera aussi le cas de certains projets de ce mandat. Depuis 2020, les efforts sont concentrés sur le remplacement des éclairages de nos bâtiments. Même si cela ne va pas assez vite, on ne peut que le constater aujourd'hui. Et l'extension du réseau de chaleur urbain avec le raccordement de deux groupes scolaires, Curie et Duruy. Enfin, depuis cet été, la direction des services techniques accentue ses efforts en matière de recherche d'économie. Le travail est en cours pour identifier les fuites d'eau sur les réseaux, ainsi que les toitures de bâtiments qui pourraient recevoir des panneaux photovoltaïques. Enfin, nous venons d'achever la mise en place d'un système de remontée des consommations vers une plateforme de l'ADEME pour les plus grands de nos bâtiments et ainsi déterminer les priorités de travaux à effectuer pour lutter contre les déperditions d'énergie, améliorer le confort et contribuer à la transition écologique. À toutes ces démarches et en lançant une réflexion plus volontariste, nous pourrions engager notre ville dans la démarche Citergy, le label européen des politiques énergie-climat des villes intercommunalités, porté et soutenu par l'ADEME. Plusieurs communes ont établi des plans de sobriété énergétique qui peuvent nous inspirer et pas seulement sur des mesures ponctuelles. Quelques exemples, limiter les âges des véhicules thermiques, acquérir une flotte de vélos, Grand Quevilly met en place une collecte de déchets à vélo électrique, par exemple.
Cela doit aller de pair avec des mesures pour augmenter les énergies renouvelables. Notre ville pourrait aussi soutenir l'activité de Synergie, citoyen normand de l'énergie, qui produit l'électricité grâce à des panneaux solaires installés sur les toitures du siège de l'entreprise sociale AB. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Noura Amish. Merci. Que devant les stations-service, ministres et personnalités politiques aux déclarations hostiles, médias aux ordres totalement en furie, la grève des raffineurs a lancé un important affrontement avec le pouvoir macroniste et les capitalistes qu'il sert, avec au cœur de la cible la multinationale Total Energy, qui exploite ses salariés et les consommateurs autant qu'elle contribue à ruiner la planète. Tout le symbole du monde de Macron dont on ne veut plus. Il y a une quinzaine d'années, Sarkozy déclarait « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. » Macron et ses lieutenants seraient bien à la peine de nous ressortir aujourd'hui cette litanie méprisante et mensongère. Mais si la lutte des raffineurs gêne de fait la vie quotidienne de millions de personnes, la colère se tourne majoritairement contre les vrais responsables de la situation. Les multinationales au profit faramineux, et les politiques qui veulent se montrer forts avec celles et ceux qui pensent faibles. Notre camp social est faible avec l'effort. Notre pouvoir d'achat dévisse depuis plusieurs mois. Mais Total ne veut pas partager les 18,8 milliards de profits au premier semestre 2022, avec à sa tête un PDG qui s'augmente de 52%. Macron et ses amis préfèrent menacer les salariés des raffineries qui se battent pour un rattrapage conséquent des salaires face à l'explosion des prix. Ainsi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, prétend libérer les dépôts de carburant et les raffineries et juge la grève et les blocages inacceptables et illégitimes. Le gouvernement a lancé des réquisitions chez Total et Exxon-Esso, une atteinte au droit de grève qui a mis le feu aux poudres. La journée de grève interprofessionnelle appelée ce mardi 18 octobre par la CGT, Solidaires et Faux et la FSU reste la meilleure des réponses. Mais au-delà de la solidarité nécessaire avec les raffineurs en pointe de la mobilisation, il faut désormais rassembler dans la lutte le maximum de salariés qui veulent se battre pour le partage des richesses, qui passe par des augmentations importantes des salaires. Et c'est finalement le problème d'avancer dans la construction d'une grève générale réunissant les travailleurs du public comme du privé qui est posée pour ces prochaines semaines. Tous les autres combats sociaux, bien sûr, doivent être continués parce qu'ils sont liés de fait à l'injustice de cette société, non à la ZFE qui est à la fois antisociale et anti-écologique, non à la nouvelle attaque contre les indemnités chômage, non à la nouvelle contre-réforme des retraites annoncée par Macron, la retraite à 60 ans pour toutes et tous avec 37,5 annuités, non aux violences faites aux femmes, que ce soit à la maison, dans les espaces publics ou sur les lieux de travail. Et nous appelons bien sûr à la mobilisation du 25 novembre prochain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Oui, David Fontaine. Monsieur le maire, chers collègues, pouvoir d'achat, retraite, climat, droits sociaux et environnementaux, salaire, niveau de vie pour toutes les générations, des jeunes qui doivent se construire, jusqu'aux seniors qui doivent être protégés après une vie de labeur, nos combats en ce moment sont multiples et tous essentiels. Il en va du double combat totalement lié fin du monde et fin du mois. Il en va de la justice, du respect de la parole donnée, de la répartition des richesses et de l'avenir de la planète. Mais c'est sans compter les vautours, les charognards, les profiteurs, les menteurs, les manipulateurs, les maquilleurs de l'histoire. C'est sans compter l'extrême droite. Nous pouvons comprendre que face à la déception, d'une façon générale, les esprits s'égarent vers l'abstention ou d'autres envies de vote, des votes républicains et démocrates tout du moins. Mais nous voulons prévenir ce soir avec mes camarades du groupe, car il vaut mieux prévenir que guérir.
L'extrême droite a toujours été une impasse. Certes, le libéralisme et le capitalisme ne sont ni des voies de progrès, ni des voies que nous choisissons ici. C'est par et pour l'écologie solidaire, non punitive, démocratique, participative, co-construite avec les citoyennes et les citoyens, partagée, que nous pouvons proposer un autre modèle. Mais la tentation est désormais la validation de l'extrême droite dans nos nombreux scrutins et d'une douleur absolue. Douleur pour les plus populaires qui n'y trouveront que des larmes, douleur pour la diversité de notre pays qui n'y trouvera que de la violence, douleur pour les salariés qui défendent avec raison la valeur travail qui n'y trouveront que des illusions. La gauche n'a pas toujours été au rendez-vous de l'histoire et des grandes batailles pour l'égalité et la solidarité, pour le climat et la nature, et encore récemment. La gauche se reforme, elle se réforme en ce moment, et elle se réinvente, principalement autour de l'écologie, et c'est une bonne chose. Mais il nous appartient désormais de rebâtir ensemble un projet collectif puissant, car cette bête noire de l'extrême droite, même si de nombreux citoyennes et citoyens se tournent vers elle, est de plus en plus forte. Nous la voyons à l'Assemblée nationale, qui semble défendre le peuple, mais qui ne refuse pas la casse du système de retraite ou les combats sociaux portés par la gauche. Nous la voyons, l'extrême droite, dans les rues, avec violence et éclat, alors qu'il faudrait apaiser et rassurer la population. Nous la voyons dévorer en ce moment, ces derniers jours, sans gêne, l'actualité terrible de cette jeune femme, Lola, atrocement assassinée, non pas quelqu'un qui serait de telle ou telle nationalité, mais juste par quelqu'un qui est une ignominie humaine. Cela me rappelle comment l'extrême droite avait tenté d'instrumentaliser aussi le meurtre de Julien, mon ami, à Rouen, et Élise, il y a quelques années. Jamais nous ne leur avons pardonné d'abuser d'une actualité pour s'en servir à des fins électorales. Et nous les combattons encore plus fort aujourd'hui, désormais en mon rôle aussi de conseiller régional, alors qu'ils se font les grands défenseurs de la veuve et de l'orphelin, mais leur vrai visage apparaît quand il s'agit de prendre des décisions importantes. C'est ainsi qu'ils ne se gênent pas pour voter avec la droite lundi dernier contre mon amendement au budget pour un fonds de garantie aux structures culturelles régionales afin de les soutenir à affronter la crise énergétique plutôt que de supprimer création ou diffusion artistique en Normandie. Et cela commence par toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour la culture dans la métropole rouennaise et bien sûr à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'extrême droite, mes chers collègues, plus que jamais, c'est l'image du mensonge, de la haine et de la trahison. Les insultes pleuvent, mais les propositions crédibles restent cachées, comme toujours. Les mots durs s'enchaînent, mais les prises de responsabilité sont timides. Le verbe est haut et semble puissant de leur part, mais l'action militante, syndicale, associative, elle reste muette. Les discours moralisateurs se surpassent, mais leurs propres condamnations et leurs petits arrangements sont montrés au grand jour de plus en plus. C'est le combat que mène Lula au Brésil contre Bolsonaro. C'est le combat que nous menons en France contre la dynastie Le Pen. C'est le combat que nous menons à la région contre les Bay ou les Pénel. Social, environnement, culture, association, démocratie, tout nous sépare entre l'extrême droite et nous, la gauche de progrès, tous ensemble. Tout nous sépare car notre colonne vertébrale ne sera jamais la même. Petit-fils et fils d'immigrés d'Italie, je le dis, notre pays et notre ville sont faits de mélanges, de couleurs, de cultures. Et cette richesse n'est pas à jeter, elle est à mettre en exergue. Et il ne faudra jamais les mélanger comme eux, les petits vauriens délinquants et les nationalités, car c'est une honte. Les amalgames de l'extrême droite, nourris à la sauce CNews et autres consorts, doivent être combattus jusque dans nos rues. Les élections vont rapidement revenir. On parle de dissolution de l'Assemblée ici ou là, mais arrivent aussi les européennes dans un an et demi.
Il s'agit d'être clair dès à présent et de ne rien laisser aux extrémistes. L'histoire a la fâcheuse habitude de se répéter, et même si 1933 nous semble bien loin, et notamment aux nouvelles générations, l'Ukraine nous rappelle cruellement que la géopolitique est faite de violences qui jouent trop avec la vie des plus pauvres, des ouvriers, des familles. J'accueille dans mes fonctions professionnelles en ce moment des familles ukrainiennes et des étudiants réfugiés. Oui, la bête noire, elle est à nos portes, et concentrée sur le pouvoir d'achat et sur les gros problèmes sociaux de notre société, nous ne devons certainement pas oublier que tout est lié. Nos combats sont nobles, il faut le dire, et ils sont essentiels. Nous disons simplement qu'il ne faut jamais sous-estimer ceux qui resteront nos ennemis, car ils se nourrissent de la misère, non pour la combattre, mais pour s'en servir. Je conclurai cette intervention par deux courts mots, si vous me permettez, monsieur le maire, pour Claude et Annette, car ce combat a été aussi le leur. Et j'essaierai de, parce qu'il faut se le reconnaître de temps en temps, même en tant qu'élu, de garder mon émotion, parce que je n'avais pas vu Judith et Lucien dans la salle à l'arrivée. Claude Collin, vous avez dit l'essentiel, monsieur le maire. Nous avons comme souvenir jusqu'à récemment sa participation toujours précise et motivée, souriante et si agréable à la tenue des bureaux de vote, et surtout au dépouillement ces dernières années, ensemble. Nous les avons passées souvent à Ferry-Jaurès, avec de belles soirées électorales. Il était respectueux et raisonné, conseillé et amical. Son engagement de gauche fut formidable. Les différences sont toujours des richesses quand elles se font comme il le faisait, avec une main sur l'épaule et une gentillesse. Alors nous adressons à son épouse, sa famille et ses proches toutes nos sincères condoléances. Et nous souhaitons aussi, je souhaite, rendre hommage à Annette. Je ne veux pas faire un long propos car elle détestait les grands discours. Nous avons été plusieurs à grandir avec elle et Lucien, et c'est mon cas. J'ai grandi personnellement et politiquement avec eux. Je leur dois beaucoup, tout comme à Rémi et Geneviève Orange, Nicole et Guy Plat, Georges et Anne-Marie Fichou, Roland et Jean Valogne, Patrick et Marie-Claire Maurice et bien d'autres. Des exemples humbles de militantisme, des exemples convaincus de valeurs, des exemples évidents de bienveillance à la stéphanaise. Annette était un exemple, un sourire, un éclat de rire. Annette, des mots de mes parents, c'était l'esprit de fête. Bien évidemment, au sens propre du terme, car son optimisme et son énergie débordaient en permanence. L'esprit de fête pour le mouvement politique et associatif, pour la transformation de la société, pour l'ouverture aux autres, pour faire se rencontrer des parcours, des personnes, des inconnus. Annette était enjouée, conviviale, si chaleureuse, si bienveillante, pleine de vie, pleine de cœur. Avec Lucien, ce couple œuvrait au quotidien pour faire vivre très intensément les valeurs de progrès, de la gauche, de la justice. Servir sans se servir, respecter son prochain, vivre pleinement des amitiés et des moments, c'était la joie incarnée. À Lucien et à Judith présentes ce soir et à toute votre famille et vos proches, nous sommes les petits héritiers de cette énergie et de cette combativité. Je vous adresse au nom de mon groupe toutes mes condoléances, profondes et sincères. Nous pleurons une femme d'honneur, une femme de cœur, une sacrée militante. Elle manquait déjà au débat public et politique ces dernières années. Elle va manquer encore plus. Merci. Merci. Concernant la proposition qui avait été formulée par votre groupe de présenter un vœu, est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est un autre moment ? Ok. Bon, j'évoque auprès de tout le monde pour pas que ça reste une discussion confidentielle. J'ai reçu un vœu du groupe des élus écologistes. Donc c'est un vœu qui vous sera distribué afin que vous en preniez connaissance. Voilà, je voulais vous en faire part et donc il sera présenté par David Fontaine à la fin des tours de parole. Qui est-ce qui souhaite prendre la parole ? Johan Kerwell.
Merci, Monsieur le maire. Électricité, gaz, restauration collective, matières premières, transport. Acculé par la flambée des prix, par les factures qui s'alourdissent, et plus particulièrement la facture énergétique, nombre de communes, prises à leur tour dans le piège de l'inflation, cherchent à faire des économies sans dégrader les services publics. Le gouvernement assure que la plupart d'entre elles seront soutenues, mais aucune n'a encore vu la couleur de ce soutien, malgré l'urgence. Et les modalités font craindre, pour les communes concernées, que ce soutien n'arrivera pas avant plusieurs mois. Cette situation prémédite la démolition inévitable des services publics qu'elles assument. Nous le déplorons et le dénonçons avec la plus grande fermeté, dans un contexte où les besoins de nos populations ne cessent d'augmenter. Nous réclamons des mesures d'urgence, des réponses structurelles comme le retour aux tarifs réglementés de vente de l'énergie, ainsi que la reconquête d'un grand service public pour mettre l'énergie à l'abri des logiques de spéculation. Nous demandons également que la dotation globale de fonctionnement, qui constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux communes, soit au minimum indexée sur l'inflation. Cette dernière n'est pas une subvention, mais bel et bien la compensation de missions de services publics assurées par les collectivités territoriales. C'est indispensable pour que les communes, et plus largement les départements et les régions, puissent maintenir le même niveau de services publics et poursuivre les investissements nécessaires. Saint-Étienne-du-Rouvray n'est pas épargné par cette crise inflationniste qui augmente fortement nos dépenses courantes. Notre municipalité a toujours été soucieuse de mettre en œuvre des projets et d'assurer le fonctionnement de ses services de façon responsable et en tenant bien évidemment compte de ses ressources financières. Des mesures ont d'ores et déjà été engagées pour diminuer les coûts. Mais comment faire ? Comment faire quand les factures ne cessent d'augmenter ? Il n'y a pas de solution miraculeuse. En revanche, il existe un panel de solutions qui peuvent s'avérer être efficaces si elles sont bien réalisées et bien additionnées. Nous devons collectivement faire face à cette situation en prenant les décisions de gestion budgétaire les plus adaptées. Dans la volonté constante d'associer la population stéphanaise aux prises de décision, une grande réunion publique a été organisée le 23 mai dernier. Une réunion pour mettre clairement en perspective les thèmes et les enjeux qui laissent entrevoir les différents leviers sur lesquels nous avons encore la possibilité d'agir au niveau communal, et réaffirmer notre ambition de maintenir un service public de qualité au service de tous, en cherchant ensemble des solutions à la fois pour le préserver et le financer. Les différents échanges ont relevé la nécessité de poursuivre une gestion sérieuse en recherchant des économies sans exclure le recours au levier fiscal local. En parallèle, chaque groupe de la majorité a été sollicité par Monsieur le maire afin de contribuer en pleine responsabilité à la formulation de pistes concrètes d'économies budgétaires, tout secteur confondu. Les différentes contributions ont été par la suite présentées lors du séminaire de rentrée du mois de septembre à l'ensemble des élus, directeurs et responsables de services présents. De la cession de biens immobiliers au développement de mutualisation intercommunale, de la création d'un pôle de remplacement à la renégociation de certains de nos contrats, du regroupement d'événements festifs à l'installation de matériel hydroéconome, 79 propositions ont été formulées par notre groupe politique. Mais quelle ne fut pas alors notre étonnement d'apprendre lors de ce séminaire que le groupe socialiste n'avait fait aucune, et je dis bien aucune, proposition. Pourtant, chaque groupe disposait du même délai pour réaliser ce travail prospectif. Un délai de plus de 2 mois, donc suffisamment long pour pouvoir aller à la rencontre de nos agents municipaux, directeurs et responsables de services, à commencer par les membres de la direction générale, pour dialoguer, échanger et obtenir toutes les informations nécessaires à une meilleure analyse et compréhension de la situation. Délai suffisamment long pour pouvoir, par exemple, se renseigner sur des actions réalisées par les municipalités dans d'autres communes. Délai suffisamment long également
pour permettre le débat au sein même de nos groupes politiques respectifs entre citoyennes, citoyens et élus. Cette absence de proposition ne peut alors, en aucun cas, se justifier par un manque de temps, de moyens, d'informations. Ce n'est donc pas une question de possibilité, mais bel et bien, uniquement et malheureusement, une question de volonté. Cela suscite quelques interrogations. Pourquoi ? Pourquoi ne pas avoir voulu faire ce travail ? Pourquoi, à l'heure où la nuée de l'orage est sur nous, où il s'avère nécessaire, plus que jamais, de travailler ensemble, de resserrer les rangs, un tel manque d'investissement ? Que devons-nous en conclure ? Est-ce que ce genre de comportement, et je reprends vos mots, favorise l'intelligence collective pour trouver des solutions ? Nous ne le pensons pas. Face aux difficultés rencontrées, il y a trois manières de réagir. Le déni, la résignation et l'action. Épris des valeurs de résistance, ardents défenseurs de politiques sociales, écologistes et humanistes, nous sommes et resterons résolument positifs et prenons de ce fait toujours l'action. Au moment où les combats sont nombreux, les impatiences maximales, les besoins intenses, les urgences extrêmes. On mesure combien il nous faut agir. Agir sans attendre et avec courage dans toutes nos décisions. C'est pourquoi, chers amis, chères Stéphanaises et Stéphanées, nous réaffirmons ce soir notre volonté de continuer de porter avec force, conviction et passion notre projet commun aux valeurs humanistes d'égalité, de justice sociale et de développement durable. Le temps est venu de se ceindre les reins afin de faire face aux nombreuses difficultés qui se présentent à nous, affronter les épreuves collectives et maîtriser notre avenir. Rencontrons-nous, discutons, construisons, combattons, rassemblons-nous et retrouvons pour toutes et tous le chemin de l'espoir. Ancrons l'espérance aux racines de la vie. Enracinons l'espérance dans le terreau du cœur, adoptons toute l'espérance et son esprit frondeur. Je vous remercie. Je sais qu'une demande de parole a été formulée en réponse, ça me semble légitime puisque le groupe des élus socialistes est directement visé. Léa ? Oui, merci. Qu'on fasse mine de s'étonner de ce que nous avons dit ou ce que nous n'avons pas, de ce que nous avons écrit ou de ce que nous n'avons pas écrit par le maire, je le regrette puisque nous avons eu cette discussion la semaine dernière entre présidente et président de groupe, un échange qui a duré un certain temps. Et je regrette que l'on donne du coup ce spectacle que je trouve désastreux. Du point de vue de l'investissement de mon groupe, j'ai en face de moi, je ne vais pas citer tout le monde parce que ça pourrait prendre du temps, mais je vais quand même donner quelques exemples. J'ai Ahmed Akari, ancien CPE, trésorier d'une association de soutien scolaire, où il est tous les soirs de la semaine de 17h30 à 19h, sans compter les réunions annexes depuis de nombreuses années. Je vois aussi Dominique Grévran, qui a été syndicaliste jusqu'à le payer dans sa carrière professionnelle devant aller au prud'homme du fait de cet engagement, qui est par ailleurs bénévole engagé auprès d'un club sportif, etc., etc. Je tiens également à préciser que nous sommes un groupe assidu, un groupe qui formulons des propositions de façon très régulière et que les adjoints ont fait leur travail dans leur délégation, évidemment, en pleine solidarité par la mission qui leur est confiée au sein de ce conseil municipal, au sein de cette majorité, pour faire cette recherche d'économie. Je tiens également à préciser que nous avons formulé des pistes lors du dernier conseil municipal du mois de juin, que nous avons formulé des pistes lors du dernier conseil municipal du mois d'octobre et de décembre 2021 et 2020, puisque la crise sanitaire touchait, impactait alors déjà nos finances et que notre groupe a toujours pris ce sujet au sérieux. Sur le détail des propositions,
Nous n'avions pas les tableaux complets nous permettant d'établir un diagnostic et donc tout simplement pour ne pas paraître ridicule, sans document de travail concret, nous ne nous sommes pas sentis capables, par exemple, de formuler des propositions auprès de Muriel Renault en charge de l'enfance ou encore auprès de Pascal Lecousin qui est en charge des espaces publics dont je ne connais pas les détails du budget ou encore d'Edouard Bénard ici en charge de la culture, de la jeunesse, etc. Je ne vais pas citer tous les domaines. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus, mais simplement peut-être regretter que l'on puisse, faire du spectacle sur des choses qui ont été dites entre nous. Et je le regrette sincèrement, mais en tout cas, ça, l'union est un combat, mais ça ne m'empêche pas de continuer de partager cette envie. Merci. Bien, on a encore une composante politique qui souhaite s'exprimer. Oui, au nom des élus communistes et citoyens. Merci, monsieur le maire. La situation actuelle me fait penser à une chanson de Stéphane Echer, « Il y a des matins où j'ai envie d'éteindre la télé et de déjeuner en paix, tant l'actualité est très préoccupante, la guerre, la spéculation, la vie chère. Il y a aussi tous ces commentateurs ou journalistes qui passent leur temps à mépriser et insulter les résistants, ceux qui refusent la résignation. La victoire de l'extrême droite en Italie est bien le renoncement d'une certaine gauche à changer la vie. Quand une certaine gauche casse les résultats des décennies de conquête sociale des travailleurs, le peuple lui tourne le dos et la bête immonde sort renforcée. N'oublions jamais les paroles d'Albert Camus. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fasciste vient à son chevet. Mais ce n'est pas pour prendre de ces nouvelles. Il y a donc de nombreux chantiers à ouvrir. Nous devons engager la bataille contre la vie chère. Mais n'oublions pas que la bataille des salaires se joue d'abord dans les entreprises. C'est bien là que sont produites les richesses par les travailleuses et les travailleurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les entreprises préfèrent la rente, c'est-à-dire les actionnaires, plutôt que les salariés qui produisent les richesses. Les dividendes explosent pendant que les salaires évoluent peu, bien en dessous de l'inflation. La révolte gronde dans les entreprises. La grève dans la raffinerie a alimenté le débat. On a entendu les commentateurs bien payés porter le venin des idées libérales du gouvernement ou du MEDEF pour opposer les grévistes à la population. Évidemment, le manque de carburant peut rendre les dépassements compliqués. Franchement, la haine et le mensonge sont de sortie. J'avais oublié que les grévistes faisaient grève dans le cadre de la préparation du prochain congrès de la CGT. J'avais oublié que les salariés ne sont que des preneurs d'otages. Mais ces commentateurs sont là pour défendre les privilèges des riches. Ils ont oublié que la France est devenue un pays de bas salaires. Ils ont oublié que les gouvernements successifs ont mis en place des lois de travail qui diminuent les droits des salariés. Ils ont oublié l'intensification du travail et la précarité qui augmente. Ils ont oublié les réformes des retraites et les départs de plus en plus tard. La lutte des classes revient en force. La lutte, c'est le bon chemin pour arracher des bons salaires. Si la bataille des salaires se joue dans les entreprises, nous pouvons imposer des mesures pour lutter contre la vie chère et augmenter les salaires avec 3 mesures d'urgence. Porter le SMIC à 1600 euros net dès maintenant, indexer les salaires sur l'inflation, bloquer les prix des produits de première nécessité et de l'énergie. Le deuxième point d'inquiétude, c'est le climat. Méditons une citation de Victor Hugo. « C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Baissez votre chauffage à 19 degrés, mettez un col roulé, faites pipi sous la douche. Si vous possédez un véhicule de critères 4 ou 5, on vous donnera un petit quelque chose pour le mettre à la casse. » Pourtant, les faits sont têtus. La Coupe du Monde du Qatar va se jouer dans les stades climatisés. L'Arabie Saoudite va organiser des Jeux asiatiques d'hiver en plein désert. Un désastre écologique. Les riches continuent de vivre sans tenir compte de l'environnement. Ils préfèrent les déplacements en jet privé plutôt qu'en vélo. Que dure du pillage des richesses par les multinationales et du désastre écologique que cela engendre ? Que dire de la surexploitation des travailleurs dans les pays du tiers-monde, voire de l'esclavagisme pour un profit maximum ? Pour gagner la bataille du climat, il faut changer le système.
La priorité, c'est l'humain et la planète d'abord. Beaucoup de mesures restent une stigmatisation des plus modestes. Dans notre agglomération, la mise en place de la ZFE est considérée comme injuste. C'est une aberration de voir des grosses cylindrées très polluantes autorisées à rouler quand on met à la caisse des véhicules qui polluent moins. Où sont les moyens financiers de l'État pour développer les transports collectifs? C'est le bon moyen de proposer une alternative à la voiture. Aujourd'hui, 42% des Français affirment dans un sondage qu'ils n'appliqueront pas la loi et continueront de circuler avec leur véhicule. Une mission flash de l'Assemblée nationale formule des propositions qui méritent d'être étudiées. Réviser le système critère intégrant notamment les critères de poids, de consommation et d'entretien des véhicules. Deuxièmement, mettre en place un pass ZFE pour se déplacer de façon transitoire et levant des restrictions de façon temporaire. Un prêt à taux zéro. Quatrièmement, des aides à l'achat d'un véhicule moins polluant. Le reste à charge moyen après les aides dépasse encore les 20 000 euros. Je rappelle qu'un véhicule propre coûte 40 000 euros, soit l'équivalent de près de 31 mois pour un smicard ou de 69 mois pour une personne au RSA. Cinquièmement, des transports publics plus accessibles. Par exemple, la TVA à 5,5. Elle est à 10 aujourd'hui. Ou un abonnement mobilité à 9 euros. Les communistes, notre groupe à la métropole, propose de son côté la gratuité des transports pour la fin du mandat. J'espère que le gouvernement saura entendre et formuler des propositions constructives. J'espère que le président de la métropole sortira de sa tour d'ivoire. Car cela est une question de santé publique. Il faut réduire le tout routier. Il faut construire des alternatives avec plus de transports collectifs répondant aux besoins rapides et gratuits. Troisième point, c'est le budget de la ville et surtout le contexte dans lequel nous allons le construire. Il devient de plus en plus compliqué de faire tourner les équipements et les services publics. Les communes en sont même à se demander sur quels services il faudra rogner pour boucler l'année. Écoles, salles communales, bibliothèques, crèches, piscines. Pour d'autres, ce sont des projets d'investissement, y compris pour améliorer l'isolation ou la performance énergétique des bâtiments, qui sont remis en cause la situation financière se dégradant. D'autant que cela se conjugue avec augmentation des prix, des matériaux et des denrées alimentaires. Le gouvernement n'a pas pris la mesure de la situation dans laquelle se trouvent nos communes. Et malgré nos interventions, nos amendements et nos propositions, la loi finances rectificative adoptée au mois d'août ne permettra pas aux collectivités d'absorber l'explosion des coûts de l'énergie multipliée par 2, 4, voire 5, 6. En effet, la dotation exceptionnelle censée accompagner l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires et l'inflation des dépenses d'énergie ne concernera pas l'ensemble des collectivités. Pire, s'exprimant récemment sur la situation énergétique, la Première ministre a cru bon de recommander aux collectivités « Soyons prudents lorsque vous engagez des nouveaux contrats d'énergie, surtout s'ils portent sur plusieurs années. Les prix aujourd'hui sont anormalement élevés. » Quant à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, il envisage de conditionner les aides de l'État à une bonne gestion des collectivités au mépris du principe de libre administration des collectivités et laissant entendre que l'étranglement financier de nos communes viendrait d'une mauvaise gestion. On a déjà entendu ça dans le passé, sur d'autres sujets. Des propositions sont sur la table de la création d'un fonds d'urgence énergie à l'application des tarifs réglementés de vente de l'électricité ou du gaz pour les collectivités. Du blocage des prix à l'application d'un taux de TVA réduit sur les factures énergétiques des collectivités et de leurs groupements. Le gouvernement doit s'engager à examiner ces propositions et à accepter que les collectivités ne soient pas les grands oubliés de ces mesures de soutien. C'est dans ces conditions que nous allons construire notre budget. Nous devons forcément tenir compte de cette situation. N'oublions pas que les TH seront supprimés pour les 20% des restants. Voilà, comme je viens de le dire, il sera construit, notre budget, dans un esprit de lutte et de résistance. Merci. Donc, les différents tours de parole viennent de s'achever. Donc, je propose à David Fontaine, pour son groupe, de nous présenter le vœu rédigé.
Oui, avec beaucoup de bienveillance, si vous ne l'avez pas fait, monsieur le maire, moi je me permets d'apporter notre soutien collectif à nos camarades socialistes. Il faut faire attention, quand on ne sait pas jouer avec un boomerang, généralement il nous revient en pleine poire. Notre vœu ce soir, chers collègues, c'est un appel au boycott de la Coupe du Monde de football. Et donc je vais vous le lire de la part de notre groupe. Tout ce que je sais de plus sûr à propos de la moralité et des obligations des hommes, c'est au football que je le dois, disait Albert Camus. Il aurait pu ajouter, sauf en 2022 au Qatar. Non pas que les autres Coupes du Monde ont été toutes exemplaires, mais les sommets sont atteints cette année tant l'irresponsabilité des décisions prises sont flagrantes et révoltantes. Lutte sociale oubliée, lutte environnementale oubliée. 6500 ouvriers seraient décédés sur les chantiers. Comment ne pas s'indigner ? Et à l'heure où le climat nous inquiète tous, tellement les catastrophes se succèdent aux quatre coins du monde, organiser un événement sportif international sous un soleil écrasant, en climatisant par exemple les stades à ciel ouvert, est une ineptie et un signal terrible renvoyé aux milliers de scientifiques et de défenseurs de la nature qui tirent la sonnette d'alarme de plus en plus fort. Enfin, les comportements et propos de certains footballeurs professionnels millionnaires, qui devraient être des exemples pour notre jeunesse, renvoient une image désastreuse sur le plan moral, là où leur rôle pourrait et devrait être décisif. Nous soutenons massivement et sans réserve nos équipes sportives locales et tous les bénévoles passionnés qui œuvrent pour faire vivre un football populaire, respectueux et exemplaire. Mais face à ces constats, nous ne pouvons accepter ce spectacle ridicule et à contre-temps sponsorisé à grands coups de millions d'euros par des marques qui trop souvent fabriquent leurs goodies dans des conditions peu acceptables également. Avec regret mais force, nous appelons donc au boycott de cette Coupe du Monde qui est devenue, hélas, la honte du monde à l'heure où nous devrions être mobilisés pour toutes les luttes sociales et pour le climat. C'est un message aussi aux nouvelles générations pour leur faire comprendre que même les sports, aussi populaires et formidables soient-ils, ne peuvent se faire contre l'homme et contre la nature. Donc nous vous proposons ce vœu au conseil municipal ce soir. Merci. Qu'il soit adopté. Donc le vœu vous est présenté, bien sûr. J'avais indiqué lors de cette réunion de groupe préparatoire entre les présidents des groupes de la majorité que ma place, moi, en tant que maire, c'est effectivement d'être rassembleur d'une gauche de progrès, une gauche unitaire tournée vers toutes les valeurs sociales et écologistes qui donnent sens à notre travail en commun. Sur deux aspects des choses, je vais attendre que monsieur le conseiller municipal Vulfranc décroche son téléphone issu des pays de l'Est. Tout ça pour vous dire que sur deux aspects des choses. Le premier, c'est concernant les propos qui ont été tenus par le groupe des Insoumis et en réponse à ces propos ceux tenus par le groupe des élus socialistes appuyés en solidarité par le groupe des élus écologistes. Je tiens à dire qu'il y a effectivement eu une demande de ma part, une sollicitation de contribution à l'élaboration du budget pour 2023 afin de pouvoir envisager des économies possibles et réduire ainsi notre recours au levier fiscal. Ça, c'est une question de gestion qui va rebondir au niveau du débat des orientations budgétaires. Je considère que ce travail est mené par tous les groupes de façon différente, mais j'entends encore ce soir, dans les propos qui ont été tenus par le groupe socialiste, des pistes qui peuvent être réalisées, peut-être pas à court terme, mais au moins à moyen-long terme, sur la question des économies d'énergie qui permettent effectivement de limiter les dépenses de fonctionnement, de pouvoir renouveler le parc de véhicules en faisant en sorte d'avoir un moindre recours
aux véhicules thermiques, de donner peut-être un peu plus la place aux vélos. Donc il y a des pistes qui sont formulées et mon rôle, c'est d'accentuer mon attention ou l'attention que je porte à ces pistes, qu'elles soient bien sûr à court terme. Et je l'ai indiqué, j'ai indiqué mes remerciements pour la formulation de pistes à court terme pour 2023, comme des pistes à moyen, long terme pour les années à venir, parce que ce mandat est loin d'être terminé et il y a encore de la route avant que nos engagements pris fin 2019 et début 2020 soient tenus. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que, en tant que maire, pour rassembler aussi la population sur une question sportive que tout le monde apprécie, notamment par un sport aussi populaire que le football, je ne soumettrai pas ce vœu formulé à un vote pour faire en sorte que cette question n'entraîne pas nécessairement des clivages entre nous. Moi, à titre personnel, ce que je pense, c'est que réaliser une Coupe du Monde au Qatar dans des conditions aussi désastreuses sur le plan écologique et social, car n'oublions pas aussi l'aspect social des travailleurs qui ont trouvé la mort dans ces chantiers, eh bien c'est quelque chose qu'à titre personnel je n'accepte pas. Donc je n'appellerai pas en tant que maire et je ne proposerai pas au conseil municipal de boycotter la Coupe du Monde, mais je sais ce que je ferai personnellement. Voilà, ça n'a pas de caractère d'exemplarité évidemment. Et c'est la même réflexion pour, effectivement, ça a été souligné, pour les Jeux Olympiques en Arabie Saoudite. Je crois que ce sont les Jeux Olympiques asiatiques. D'hiver. Jeux Asiatiques d'hiver, pardon. Donc ils ne sont pas olympiques, de ce fait. Voilà. Concernant les autres propos qui ont été tenus, moi, je retiens quand même cette convergence qui montre que, depuis le groupe NPA qui parle de lutte, de combat pour les salaires, pour le pouvoir d'achat, pour la reconnaissance des droits des travailleurs, pour l'opposition aussi aux mesures discriminantes, comme par exemple celle de la ZFE qui ne permet pas à des gens modestes de pouvoir renouveler leur véhicule facilement, jusqu'à l'expression socialiste sur la question du respect eh bien, de nos ressources, du respect de l'environnement, de la recherche d'économie d'énergie, tout ça faisant référence à la question de la fin du monde, conjuguée aux questions de fin du mois. Ça a été relevé par plusieurs groupes, le groupe écologiste et le groupe communiste, qui, bien sûr, ont pointé les grandes difficultés qu'il y a à vivre bien en ce moment, dans ce monde, pour les gens simples, les gens modestes, les gens très modestes. Quand ça va bien pour certains, les 1% les plus riches, ça va beaucoup moins bien pour la plus grande majorité de nos concitoyens. Et on constate une évolution terrible des inégalités, puisque même depuis 2019, elles se sont renforcées. C'est des rapports de rémunération, je ne parle pas que de salaire, puisque des fois, on peut aussi intégrer les dividendes ou bien les coups de chapeau, etc. Eh bien, ça peut aller de 1 à 240, voire même plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est pointé par rapport aux questions de fin de mois. Et je ne voudrais pas m'étendre davantage sur ces éléments de convergence. Je voudrais simplement dire que le dernier point sur lequel je souhaite en tant que maire attirer l'attention, c'est que dans ce pays, mais comme partout ailleurs dans le monde, c'est quand même la question du système qu'il faut aborder, un système
qui est générateur d'inégalités et d'austérité délocalisée à tous les étages. C'est vrai sur les gens, c'est vrai sur la population stéphanaise, comme c'est vrai pour notre commune. Nous vivons pleinement, de plein fouet, une situation inédite qui confine à l'austérité. L'inflation et les surcoûts liés aux énergies, liés au chauffage, électricité, mais aussi aux denrées alimentaires, aux questions de carburant, aux questions de fourniture, eh bien, nous impactent pleinement et directement sans que l'État soit à la hauteur pour nous accompagner, nous les communes, nous les collectivités locales et territoriales, alors même que nous savons pertinemment, en tant qu'élus locaux, que nous contribuons à l'amortissement social des difficultés vécues par les gens, tout simplement. Nous constituons, par les actions que nous menons, par les solidarités que nous entretenons, par les activités d'émancipation, d'épanouissement que nous proposons, à un véritable bouclier social, écologiste, éducatif, culturel pour tout le monde. Et c'est là où je souhaite, en tant que maire, nous rassembler sur cette question de la difficulté à construire ces éléments de réponse aux besoins sociaux. Et je veux solennellement ce soir interpeller le gouvernement sur la nécessité que les dotations de fonctionnement aux communes en particulier, mais aux autres collectivités aussi, soient indexées, au minimum indexées, comme ça a été dit, sur la question de l'inflation. C'est le sens du vœu que je voudrais que M. Chauveau distribue à l'ensemble des élus du conseil municipal, afin que vous puissiez en prendre connaissance. Parce qu'on a ici véritablement un lien direct entre des décisions nationales, des décisions gouvernementales et un impact local pour la vie des gens. Notre population stéphanaise souffre, elle souffre encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que les gens ne savent pas s'ils doivent dépenser pour leur santé ou dépenser pour leur loyer. Ils ne savent pas s'il faut remplir le réservoir ou remplir le frigo. Donc, notre rôle, c'est en pleine responsabilité de pouvoir continuer le plus possible à être à côté de celles et de ceux qui souffrent dans nos rues, qui souffrent chez elles, chez eux, quand elles ont un toit, ou bien tout simplement lorsqu'elles peuvent fréquenter nos équipements, comme par exemple les enfants dans nos écoles et la restauration scolaire. Ce vœu, je vais vous le lire, c'est un vœu qui demande l'indexation de la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. Je rappelle le contexte. Notre pays traverse une période d'inflation record. Gaz, électricité, produits alimentaires, matières premières. Tout augmente dans des proportions que les budgets des communes, comme ceux des ménages, ne peuvent plus suivre. En parallèle, les moyens accordés aux communes pour assurer leurs missions sont en baisse constante. En 5 ans, les concours financiers de l'État ont diminué de 50 milliards d'euros. Dans le projet de budget 2023, l'État demande encore une fois aux collectivités un nouvel effort de réduction de leurs finances. De plus, au fur et à mesure de ces modifications, cette DGF, dotation globale de fonctionnement, essentielle à nos budgets, est devenue inéquitable. Or, l'article 72.2 de la Constitution dispose qu'une dotation comme la DGF n'est pas une subvention, mais une contrepartie que l'État doit aux collectivités territoriales à chaque fois qu'il supprime une imposition dont elles recevaient le produit ou qu'il leur transfère une charge
pour l'exercice de leurs services publics. En ce sens, la DGF doit être revalorisée chaque année par rapport à l'évolution des prix, et ce, dès 2023, où l'inflation est très importante. La commune de Saint-Étienne-du-Rouvray rappelle que les collectivités de proximité, dont font partie les communes et les intercommunalités, sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique. Réuni ce 20 octobre 2022, le Conseil municipal de Saint-Étienne-du-Rouvray demande solennellement au gouvernement qu'à compter de 2023, la dotation globale de fonctionnement soit indexée sur l'inflation et qu'elle évolue au minimum chaque année en fonction d'un indice égal au taux d'évolution de la moyenne annuelle des prix. Voilà, c'est ce que je porte en tant que maire, comme vœu, pour ce conseil municipal stéphanais, de façon à marquer véritablement notre très grande préoccupation et notre très grande inquiétude en ce moment dans le cadre de l'élaboration de notre budget pour 2023. Je vous propose de soumettre ce vœu à vos votes. Je soumets au vote le vœu, s'il vous plaît. Non, j'ai terminé le tour de parole. D'accord, c'est entendu. Je propose donc, avec une perspective de rassemblement la plus large possible, de soumettre ce vœu à vos votes. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Ce vœu est donc adopté par l'unanimité du Conseil municipal de Saint-Étienne-du-Rouvray s'exprimant. Les membres de mon groupe souhaitent demander une suspension de séance. Lors du conseil municipal, le dernier conseil municipal, on avait présenté une motion sur la ZFE qui était une motion de proposition visant évidemment à rassembler toujours l'ensemble de notre conseil. Cette motion qui était intéressante, on avait pu ensuite en échanger avec un certain nombre de camarades, vous aviez décidé de ne pas la mettre aux voix. Cette fois-ci, on présente une motion sur un appel au boycott de la Coupe du Monde, non pas un appel au boycott d'un sport, où nous rappelons l'importance d'un sport populaire, mais bien par rapport à ce qui se passe. Si 6500 ouvriers dans une commune ouvrière, ça n'appelle pas notre conseil municipal, comme l'ont fait d'autres villes, d'autres grandes et petites villes, à faire un appel philosophique, moral, de principe, au boycott de cette Coupe du Monde, alors honnêtement, au nom de tous les quatre, nous sommes profondément surpris, voire choqués. Dernière chose, par rapport aux échanges qu'il y a eu tout à l'heure, en effet, c'était relativement malvenu et maladroit, puisque, comme Léa Pavelski l'a dit, nous avons eu une réunion des présidents de groupe. Et ce vœu, pour qu'on soit bien dans les clous, a été abordé lors de notre réunion de présidents de groupe. Et à aucun moment, monsieur le maire, vous nous avez fait part que vous ne le mettriez pas au vote. C'est ce qui s'appelle aussi une gestion de concorde, de solidarité, de majorité. Pour cette raison, mon groupe, et comme c'est de droit, demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Bien, avant la suspension de séance, je voudrais indiquer un point très très simple. D'une part, c'est que j'ai indiqué que lors de cette réunion effectivement préparatoire entre nous, recherchant toujours le consensus et le plus large rassemblement, j'estimais que ce vœu n'était pas de nature à assurer le plus large possible par un appel à boycott dont je n'étais pas certain que l'ensemble du conseil municipal le suive. Ça, c'était le premier aspect des choses. Et j'ai même ajouté, il y a des témoins, qu'à titre personnel, je m'exprimerai sur ma propre position. C'est ce que j'ai fait. Je l'avais indiqué, donc je l'ai fait. Je tiens mes engagements. J'ai aussi indiqué que à chaque fois que un vœu pouvait me sembler réunir les conditions pour qu'il soit porté par le maire, je rappelle que le maire est ici
celui qui porte les vœux au vote de l'Assemblée Conseil municipal, lorsqu'on peut construire quelque chose de commun, et à cet égard, Léa Pavelski avait fait une proposition sur laquelle j'avais formulé qu'il y avait un possible rassemblement en fonction de la formulation du vœu et que je pouvais potentiellement le proposer au vote. Ce vœu n'a pas été présenté parce que les chiffres qui étaient attendus par Léa Pavelski n'ont pas été fournis. Pourquoi ? Comment ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que c'est la raison qui m'a conduit à ce que votre groupe présente son vœu et que je ne le soumette pas au vote du conseil municipal. Cela étant, la demande de suspension a été demandée. Elle est accordée. On se retrouve dans 8 minutes.
Quand Alia aura regagné sa place, je considérerai qu'on pourra reprendre. Ah non, il y a Didier qui se relève. Il va charger son téléphone portable, c'est ça ? Bien, suite à cette interruption de séance, est-ce que certaines ou certains d'entre vous souhaitent prendre la parole ? Johan Kerwell. Oui, monsieur le maire, je souhaitais prendre la parole pour répondre à madame Palveski et à monsieur Fontaine, puisque durant la suspension... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de... Oui, c'est juste en fait les membres de mon groupe avec qui nous avons pu échanger par téléphone et qui ont été un petit peu surpris de cette virulence dans la réponse. Nous n'avons en aucun cas un caractère hostile envers les élus socialistes et écologistes que nous considérons comme des amis. Et s'ils avaient écouté l'ensemble de notre discours... Nous appuyons justement au rassemblement à la fin. Donc, alors, je suis désolé, mais nous sommes dans le respect de la démocratie. Je pense que justement, on a le droit dans chaque groupe de s'exprimer. Semblerait-il qu'on ait affaire à une certaine hostilité. Donc, nous avons toujours, et nous sommes toujours d'ailleurs pour le rassemblement, c'est ce qui est exprimé dans l'ensemble de nos discours. Et je tiens à signaler que je suis certes le président du groupe, je suis avant tout son représentant, et je me dois de ce fait de porter au sein de ce conseil la parole de l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui composent mon groupe et qui sont de plus en plus nombreux, et qui étaient plus dans une démarche en fait de questionnement, parce que cela les surprenait que, en effet, ce travail n'avait pas été fait. Donc nous sommes d'autant plus dans l'incompréhension que cela a suscité une certaine virulence. Merci, M. Kerwell. Monsieur Vulfranc. Oui, merci, M. le maire. Attendez. Juste un mot, mais... Je voudrais transmettre un message quand même de retour à la sérénité au moment où le gouvernement vient de sortir un 49-3. Au moment où nous déposons ensemble, une motion de censure contre ce gouvernement, que l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale ont co-signé, l'ensemble des députés de gauche, et qui ont confié le dépôt à nos collègues écologistes. Cette motion de censure sera défendue dans les jours qui viennent. Tout cela pour dire que notre pays vit, et ça a été dit ici, un moment social, un moment économique, mais aussi un moment politique particulièrement tendu, voire délétère. Quand je dis délétère, en face de nous, nous avons certes cette droite macroniste, mais nous avons aussi, attendant au détour du chemin, le Rassemblement national, qui aujourd'hui même, en tant que capitalisé, toute désunion, et toute désunion notamment dans les rangs de ce qu'on appellera communément l'union de la gauche, heure de l'union de la gauche, niveau national, décliné au niveau de local, point de salut. Point de salut. Et il me semble que dans une enceinte comme la nôtre, nous sommes une union de la gauche, une petite union de la gauche à la française, Stéphanaise, nous devons y tenir comme à la prunelle
de nos yeux. Et je rajouterai simplement une des formulations de cette motion de censure, qui bien sûr décline les avatars de la politique gouvernementale que nous avons face à nous. Nous y dénonçons l'impasse de la politique gouvernementale, je cite, face aux difficultés des collectivités locales. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution intervient alors que l'ensemble, les mots sont choisis, l'ensemble des collectivités territoriales se débattent pour continuer à garantir à leurs habitants et habitantes des services publics de proximité. Est-ce que ce n'est pas là le cœur de l'enjeu? Ça a été dit ce soir, ça a été dit par Monsieur le maire. Donc, j'avoue avoir été quelque peu troublé par les échanges de ce conseil municipal, alors justement, nous avons ces enjeux devant nous. Un mot aussi, Monsieur le maire, sur le vœu proposé par nos collègues écologistes. Nous avons matière à converger. Le vœu est un écrit, mais on sait, surtout sous forme d'un vœu, quel écho, malheureusement, peu porteur il pourrait avoir dans la population. Je comprends et j'adhère à la réaction de Monsieur le maire sur le fait de ne pas être directeur de conscience pour les autres en appelant au boycott. Ceci dit, nous savons tous que, effectivement, les conditions dans lesquelles cette manifestation sportive internationale se déroule est profondément marquée de l'inhumanité et attentatoire aux enjeux climatiques. Moi, je verrais bien, quelle que soit la destination de ce vœu, ce n'est pas tant le problème, je verrais bien que nous soyons porteurs tous et que nos équipements, nos stades, nos gymnases, nos militants associatifs, eh bien, soit durant cette séquence où, oui, les enfants vont regarder les matchs, oui, des adultes vont regarder les matchs, eh bien, qu'ils puissent peut-être saisir du regard au travers une affichette ou un petit slogan dans les lieux publics. Combien derrière ces images de sport qui, toujours, notamment pour les enfants, sont marquées d'un attrait particulier. Bien combien derrière il y a à mesurer la désespérance sociale et la désespérance climatique qui sont l'empreinte de cette manifestation. Donc, union de la gauche, d'en bas, d'en haut jusqu'en bas, il faut la tenir comme à la prunelle de nos yeux. Et deux, soyons ensemble, au-delà des écrits, les militants, effectivement, lorsque cela est nécessaire, et Dieu sait si c'est nécessaire aujourd'hui, soyons les militants et les lanceurs d'alerte pour dénoncer ces inepties du système que nous dénonçons tous les jours dans les rues et dans les manifestations diverses et variées auxquelles nous, militants, nous participons
en commun. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire, et en souhaitant que cette page d'échange un peu délicat se referme ce soir, parce que je pense qu'on a d'autres chats à fouetter. Bien, je vous propose de conclure une deuxième fois ce tour de prise de parole qui a été finalement très riche et qui nous a amené aussi à regarder les modalités d'expression qui sont celles des unes et des autres, c'est-à-dire les expressions orales, certes, les expressions écrites, certes, faculté qu'on a à porter collectivement des choses ou à les porter de façon un petit peu plus, je dirais, militante et dans nos couloirs ou pas. Moi, je voudrais, dans le prolongement de ce qu'a dit Hubert Vulfranc, aussi, justement, sur la question fondamentale qui m'occupe ce soir, qui est celle de la préservation des budgets communaux pour pouvoir agir au plus près des préoccupations et des besoins sociaux des Stéphanaises et des Stéphanais, proposer aux différentes forces et composantes de notre majorité et au-delà, s'ils le souhaitent, je me tourne vers le groupe NPA, de nous inscrire dans une semaine d'action pour pousser plus loin cette revendication d'exigence, d'écoute, d'attention, de compréhension et de décision pour attribuer véritablement des moyens de l'État vers les communes et vers la nôtre en particulier au mois de novembre. Je vous propose une semaine d'action du 21 novembre au 25 novembre qui pourrait prendre diverses formes de rencontres avec les populations, de discussions, ensemble, les uns à côté des autres, dans les rues, sur des espaces publics, sur des places publiques, en distribution d'un matériel commun que nous élaborions ensemble et pas chacun dans notre coin. Ça me semble porteur véritablement de notre attention majeure, notre préoccupation cruciale pour les Stéphanaises et pour les Stéphanais. Et c'est à eux que je pense ce soir. Merci pour ces échanges. Et je souscris à l'idée que nous devons, dès maintenant, nous inscrire dans une cohésion d'équipe et un respect mutuel de nos nuances, nos divergences d'approche. Il me revient maintenant à vous indiquer le report de la délibération numéro 23 concernant le NPNRU et la signature du second avenant à la convention cadre pluriannuelle de renouvellement urbain de la métropole, parce que la métropole a informé la ville qu'il y aurait un report en accord avec l'ANRU de la signature de cet avenant. La procédure doit être accélérée pour un certain nombre d'opérations de reconstitution de l'offre qui doivent être accompagnées avant la fin de l'année 2023. Il y aura donc des ajustements mineurs, mais qui doivent être pris en compte par les différents partenaires concernés par cette opération. Donc on aura très probablement une nouvelle présentation au Conseil municipal ultérieurement au cours du premier trimestre 2023. Ensuite, je vous rappellerai prochainement, je vous indiquerai prochainement les différentes modalités de décompte des votes qui intègrent la nouvelle procédure dans le règlement intérieur. Je tiens à vous dire que, à présent, lorsque il n'y a pas unanimité, les votes contre et les abstentions seront décompté nominativement, parce que cela doit figurer au procès-verbal de l'Assemblée de façon nominative. C'est une obligation, une nouvelle obligation qui nous est faite au regard des évolutions législatives récentes. Donc ça, c'est pas soumis à vote, c'est une information préalable pour la suite des présentations de délibérations. La première délibération concerne
l'adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2022. Donc, ne vous étonnez pas si je m'arrête un peu plus longtemps sur les votes. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Décision du maire. Communication, mais je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à un vote, puisque du fait de la démission d'Agnès Bonvalet, il est nécessaire de renouveler l'intégralité des administrateurs élus au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, c'est-à-dire au sein du CCAS. Donc vous allez avoir un bulletin de vote, peut-être même deux bulletins de vote, il y a peut-être un bulletin blanc qui est aussi distribué en même temps. Je ne sais pas. Donc il y a un bulletin blanc et un bulletin faisant figurer des noms dans une liste. C'est une liste présentée par la gauche rassemblée Saint-Étienne du Rouvray, solidaire et dynamique. Pour la transmission des informations oralement, pour les personnes qui sont dans le public, et les personnes qui sont de l'autre côté des écrans, je tiens à nommer les titulaires de la liste. Candidat. Alors, en premier lieu, candidate. Nicole Auvray, Florence Boucard, Marie-Pierre Rodriguez, Francis Chiliger, Catherine Olivier, Laetitia Lebéchec, Muriel Renaud, Karine Pégon. Donc, il n'y a qu'un changement, c'est Karine Pégon à la place d'Agnès Bonvalet. Pour cette élection, il y a nécessité de composer un bureau constitué des assesseurs le plus jeune et le plus vieux. Donc il s'agit d'Édouard Bénard et de Francis Chiliger. Donc je les appelle à se lever. Francis Chiliger venant à proximité de Édouard Bénard. Et le secrétaire de séance qui a été désigné tout à l'heure, c'est Johan Kerwell. Alors, on va prendre l'urne. On va peut-être amener l'urne à chaque candidat. Patrice Chauveau est en charge de faire tourner l'urne. Enfin, tourner l'urne d'une personne à l'autre, je dirais. Pour la note du procès-verbal, je viens de recevoir les excuses de Monsieur Charafi. C'est pas sur mon téléphone, hein, c'est sur ma messagerie. Il t'a appelé personnellement ? Il faut le sentir bien. T'en avais pas deux, toi. Fait l'oubli, c'était quand même enregistré, etc. Bien, je vous propose, en tant qu'assesseur, M. Chiliger et M. Bénard, de retirer les enveloppes de l'urne, de les compter. Là, j'ai,
Combien y a-t-il de votants, Madame Seigneurie, avez-vous suivi ce décompte? Madame Bénard, qui n'est pas de la famille d'Edouard. Donc je vous laisse comptabiliser le nombre de votants par rapport au pouvoir. Donc en fait, on décompte les absents. Les absents, moi j'ai... Monsieur Charafi est absent, excusé. Madame Tessier est absente. Nous sommes 33 votants. Donc, je vous propose d'ouvrir les enveloppes sous l'œil attentif du secrétaire et puis de les passer et d'annoncer des choses. Alors, on a deux pour le moment. Qui est-ce qui prend le micro ? Pour le moment, nous sommes à deux pour. Trois. Quatre pour. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 votes pour. Alors, je récapitule, il y a eu 33 votants, 33 votes exprimés, 33 votes pour. Je vous remercie. Donc sont élus les personnes que j'ai indiquées sur la liste tout à l'heure. Comme j'ai plus de bulletin sous les yeux, je ne rappellerai pas les noms. Bien, on passe donc à la délibération suivante, qui est la délibération numéro 4, permettant de désigner les représentants de la ville dans les écoles. Avec un ajustement suite justement aux démissions, il est proposé de désigner dans l'école maternelle Robespierre Madame Aube Grand-Foncassius, dans l'école maternelle Rossif Monsieur José Gonsalves et dans l'école élémentaire Curie 2 Monsieur Mathieu Villela. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Je vais m'attarder quelques instants sur la délibération numéro 5. Pour préciser les modifications du règlement intérieur du Conseil municipal. Donc ces modifications ont été apportées par une ordonnance à compter du 1er juillet 2022, donc récent, afin de favoriser la dématérialisation des publicités des actes. Les actes réglementaires devront faire l'objet d'une publication sur le site internet de la ville, afin d'être mis à disposition du public de manière permanente et gratuite. Sont supprimés le recueil des actes administratifs ainsi que le compte-rendu synthétique des séances. Le compte-rendu synthétique des séances est remplacé par la liste des délibérations examinées en séance.
Cette liste fera l'objet d'une publication sur le site internet de la ville et d'un affichage en mairie sous un délai d'une semaine à compter de l'examen des dites délibérations. Le contenu du procès-verbal est détaillé dans un article du Code général des collectivités territoriales. Les noms des présidents, du président, des membres de l'Assemblée délibérante présents ou représentés et du secrétaire de séance figureront aussi la date et l'heure de la séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant pour les scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote, c'est ça qui est nouveau, hein, le nom des votants doit être précisé et le sens du vote. La teneur des discussions au cours de la séance, incluant l'inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n'auraient pas été adoptés à l'issue du vote, est souvent indispensable à la compréhension des échanges. Le procès-verbal devra faire l'objet d'une publication électronique permanente et gratuite sur le site internet de la commune dans un délai d'une semaine suivant la séance au cours duquel il est arrêté. Un exemplaire papier devra être mis à disposition du public au siège de l'établissement. Cet exemplaire est désormais signé uniquement par le maire et le secrétaire des séances, contrairement à avant où il était signé par tous les membres du conseil municipal. Les délibérations demeurent inscrites au registre, mais ne font l'objet de signature que du maire ou du secrétaire de séance. La tenue du registre sous format papier reste obligatoire, le support électronique n'étant envisagé qu'à titre complémentaire. La transmission des actes concernant les documents, la transmission des actes au préfet afin d'en contrôler leur légalité sera désormais réalisée par voie électronique. Des modalités spécifiques concernant les documents d'urbanisme entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2023. Les documents d'urbanisme n'entreront en vigueur à compter de cette date qu'après une publication dématérialisée via le portail national de l'urbanisme. Voilà, je voulais être exhaustif parce que vous avez le texte sous les yeux, mais ce n'est pas le cas des personnes dans le public et qui nous suivent via Internet. Néanmoins, sur chaque délibération, je ne ferai pas une lecture exhaustive. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Adopté à l'unanimité. La délibération numéro 6, c'est la décision modificative numéro 3 du budget 2022. Elle prend en compte un équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à hauteur de 313 673,02 € et en section d'investissement, un équilibre entre les lignes de la section de dépenses d'investissement pour arriver à 0 €. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 7, il s'agit d'ajuster en décision modificative numéro 3 toutes les autorisations de programme et les crédits de paiement qui sont modifiés au regard de la réalité de ce qui est constaté. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Nous arrivons maintenant sur la partie importante, une des parties importantes de ce conseil municipal, puisqu'il s'agit du débat des orientations budgétaires. Rapidement, je rappelle que dans les deux mois précédant le vote du budget, notre assemblée doit faire part d'un débat sur les orientations budgétaires, s'appuyant sur un rapport qui s'appelle le rapport des orientations budgétaires. Ce débat ne donne pas lieu à un vote sur le budget, mais un vote sur le fait de prendre acte qu'il y a bien eu un débat. Le débat a déjà eu lieu en commission, mais on le renouvelle en conseil municipal pour que chacune, chacun puisse marquer sa vision des choses concernant la préparation budgétaire. En l'occurrence, je vais vous proposer d'entamer ce débat en commençant par le contexte qui a déjà été rappelé au début de notre séance, donc je vais être bref. Je rappellerai simplement que ce contexte impacte Saint-Étienne-du-Rouvray déjà au niveau de ses finances depuis le début du mandat, parce que nous sommes engagés avec un projet municipal dans le cadre finalement d'un contexte inédit qui était celui de la crise sanitaire. En 2020, puis en 2021,
Nous avons eu déjà, entre nos recettes et nos dépenses accrues, eh bien, finalement, un manque à gagner, je vais dire ça comme cela, d'un peu plus de 560 000 euros. Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà avoir en considération lorsque l'on demande à l'État d'examiner des dotations qui sont alignées, indexées sur l'inflation au moins. En 2022, dès le début de l'année, on a constaté une inflation. C'est la preuve que le contexte international lié à la guerre en Ukraine finalement était peut-être un élément qui a surajouté des facteurs d'inflation, mais ce n'était pas le seul facteur, c'était déjà préexistant. Et des opportunistes, finalement, je les appelle comme ça, moi, des opportunistes capitalistes ont profité de ce prétexte de la guerre ukrainienne en Ukraine, de la Russie contre l'Ukraine, pour finalement se mettre dans les poches des super-profits, chiffrés à plusieurs dizaines, centaines de milliards d'euros sur la planète. L'inflation, telle qu'on la vit à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi dans l'ensemble des communes, au mois de septembre, est de l'ordre de 6%. Au niveau de l'INSEE, il est envisagé une hausse de cette inflation, encore prévue à hauteur d'un pourcentage de 8% pour le mois de décembre 2022. Voilà, ce sont des éléments estimatifs. Nous verrons bien ce qu'il en est de la réalité, mais la réalité, on la vit déjà pour les chiffres du mois de septembre. Je rappelle les différents chapitres sur lesquels on les constate. Carburant, le chauffage, l'électricité, les denrées alimentaires, les matières premières, je ne l'avais pas cité tout à l'heure, mais les matières premières ont véritablement pris un surcoût, mais aussi les fournitures du quotidien. On faisait, avec l'ensemble des services municipaux, par exemple, le constat que les fournitures liées au papier, simplement les papiers, hein, alors qu'on essaye bien sûr de réduire le nombre d'impressions, mais on ne peut pas tout faire passer par le numérique, surtout lorsque ça tombe en panne par fait de piratage comme au conseil départemental la semaine dernière, on a bien nécessité de recourir au papier qui a pris plus de 20% de hausse en 6 mois de temps. Ce contexte, il est marqué, on l'a dit encore une fois, par un État qui ne nous soutient pas. Certaines d'entre vous ont rappelé que le ministre de l'économie, M. Le Maire, souhaite que les collectivités soient encore mises à contribution avec une baisse négative de 0,5 à 0,6% de leurs dépenses de fonctionnement, comme si elles avaient encore des bas de laine, comme si elles avaient encore un trésor caché, ce qui est complètement aberrant. La suppression définitive de la taxe d'habitation nous impacte directement parce que si on réalise du dynamisme urbain, eh bien il n'y aura plus de dynamisme de recettes fiscales liées à ce développement urbain. Le soi-disant bouclier tarifaire au niveau de l'électricité, mais aussi de l'alimentation, de l'énergie et du point d'indice qui devait toucher les 30 000 plus petites communes, finalement, eh bien, on apprend que ça ne concernerait que 8 000 communes. Et encore, lorsqu'on interroge le 6 octobre dernier, avec une délégation d'élus, monsieur le préfet directement, il ne connaît pas bien les communes qui seraient impactées, touchées par ce bouclier tarifaire et qui en bénéficieraient à l'échelle de la Seine-Maritime. Donc, cela entraîne de la part de nos parlementaires, que je remercie, et tous les parlementaires progressistes, hein, d'ailleurs, ça a été cité au niveau de ce qu'on appelle la nouvelle union populaire, écologiste et sociale, eh bien, une appréciation de compensation qui serait au minimum partielle, tout du moins trop complexe et trop tardive pour les collectivités. Trop complexe parce qu'il y a trois critères qu'il faut prendre en considération et qu'on ne verra qu'au conseil administratif, au compte administratif en mars 2023, ce que l'on aura réalisé en 2022 sur notre épargne brute. Et il faut qu'on ait une épargne brute qui est nécessairement diminuée pour montrer que, à recette égale, nos dépenses ont flambé.
Ce qui est quand même incroyable de récompenser finalement le fait que le gouvernement nous donne des recettes qui ne bougent pas. Donc quelque part, c'est le serpent qui, excusez-moi l'expression, se mord la queue. Et puis, une compensation beaucoup trop tardive, puisque finalement, ne viendrait que nous venir en plus, je dirais, en bénéfice, qu'en octobre 2023. Ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin, pour élaborer nos budgets, je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à notre préoccupation et notre grande inquiétude, d'avoir des réponses rassurantes. Et ce n'est pas en octobre 2023 qu'on sera rassuré, c'est maintenant. Donc voilà tout ce qui montre les conditions vécues par notre commune, avec en plus, dans l'élaboration du PLF, il est prévu une dotation globale de fonctionnement en baisse pour 30% des communes en France. Nous touchera-t-elle ? Point d'interrogation. La situation actuelle de Saint-Étienne-du-Rouvray, ça c'est le deuxième aspect. Après le contexte de notre ville au niveau économique, il y a ce que l'on vit actuellement, une situation financière que je me suis engagé auprès des différents groupes de la majorité à faire état régulièrement lors de nos rencontres dans nos différentes instances. J'ai indiqué que nous avons vécu en juin un abondement sur l'électricité et le chauffage de 410 000 euros. Nous avons vécu, par le vote de votre décision modificative, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, une hausse et un abondement sur le chauffage de 485 000 euros, c'est-à-dire de l'ordre de 900 000 euros déjà d'abondement sur ces questions énergétiques. Sur l'alimentation, un abondement de 85 000 euros que vous venez de voter. La hausse du point d'indice est chiffrée à hauteur de 45 000 euros par mois, ce qui fait jusqu'à la fin de l'année 315 000 euros avec ce qu'on appelle le 13e mois versé à nos agents. 315 000 euros en plus à abonder. À côté de cela, les matières premières. On voit l'investissement qui galope et un surcoût pour Pergo, alors même que nous avons réalisé un nouvel office, mieux isolé, ça a été souligné, permettant de créer des économies d'énergie, avec des nouvelles classes aussi qui seront créées dans l'école Pergo. Une hausse de 570 000 euros par rapport à ce qu'on avait prévu, rien que sur les matières premières. Sur la rénovation du centre de loisirs de la Houssière, là encore, de façon à créer, par des isolations supplémentaires, des économies d'énergie. Mais j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le confort d'usage, l'attente qu'on peut en avoir dans l'intérêt des usagers, des enfants, pour la pratique aussi de leur épanouissement et de leur émancipation et de leur, je dirais, du regard attentif et prioritaire que la ville assure, elle et eux, au niveau éducatif. Plus 445 000 euros. Donc, en investissement, on est à 1 million d'euros en plus, et en fonctionnement, on est à 1 million, un peu plus d'un million d'euros en plus aussi. Voilà la situation actuelle concernant notre ville. Parallèlement à ça, on souhaite aussi diminuer nos charges financières. Donc nos charges financières, c'est tout ce qu'on paye en intérêt de nos emprunts. Donc il faut qu'on continue de se désendetter. Un travail considérable que j'ai souhaité effectuer avec toute l'équipe sur la dette a fait qu'en 5 ans de temps, en 5 exercices, notre dette a dégonflé de 11 millions d'euros. C'est énorme. 11 millions sur 50 millions, qui était le chiffre initial, c'est plus de 22%. Alors, quelles sont les orientations pour 2023 ? Eh bien, déjà, collectivement, il n'y a pas un élu de cette majorité qui souhaite abandonner notre politique, une politique publique, dans notre projet municipal. Ça veut dire qu'il faut qu'on poursuive, travailler dans tous les secteurs, que ce soit pour avoir un regard attentif vers la petite enfance, vers les seniors,
vers les familles, que ce soit pour permettre de protéger, tranquilliser nos concitoyens, que ce soit pour permettre d'avoir un travail sur les espaces publics, un travail continu sur les espaces verts, tenant en compte le fait qu'on ne peut plus recourir aux produits phytosanitaires, des choses qui ont lieu aussi sur notre stade sportif, nos terrains de foot, et sur, dans nos cimetières. Un regard tout à fait particulier sur, je l'ai dit, la réussite scolaire, que ce soit sur le temps scolaire, que ce soit sur le temps périscolaire, pour permettre la réussite de toutes et de tous. Pour accompagner aussi une ville qui se développe, qui change, qui renouvelle ses équipements, qui les modernise, qui les réhabilite, qui permet, je le disais, de les isoler, pour permettre de fonctionner ne serait-ce qu'au quotidien dans l'entretien de nos locaux et faire face à des mesures protocolaires supplémentaires dans la désinfection, pour permettre aussi la solidarité du quotidien avec des portages de repas en plus, avec le fonctionnement de notre CCAS, avec le regard particulier sur la question du logement, avoir des équipes très fortes sur l'exercice du permis de louer, l'exercice de l'accompagnement de nos copropriétés, d'avoir une faculté aussi de regarder comment, avec le levier culturel, on peut aborder la question sociale dans nos centres socioculturels. Comment, avec nos équipements sportifs, nos équipes aussi, on peut maintenir ce cap que nous voulons pour une ville qui puisse s'épanouir le plus possible. Comment on peut aussi, avec la culture, avec le Rive Gauche, avec le conservatoire qui est représenté ce soir, le département des sports qui est représenté ce soir, le département aussi de la participation citoyenne qui est représenté ce soir, avec l'ensemble des affaires générales qui sont représentées ce soir, avec tous les services municipaux, je ne suis pas suffisamment exhaustif et j'en ai en oublié, je tiens déjà, d'ores et déjà, à m'en excuser, notamment les services techniques qui sont représentés par l'équipe de sonorisation ce soir, enfin qui nous accompagne dans cela, eh bien je voudrais véritablement leur dire que nous tenons à ce service public communal et nous tenons à garder notre cap notamment sur l'investissement, ne pas en rabattre. Et pour cela, nous devons poursuivre le désendettement, ça fait partie des orientations pour 2023. Ça veut dire recourir à des emprunts dont le niveau serait moins élevé que le remboursement de notre capital de la dette. Si on rembourse le capital de la dette à hauteur entre 3,5 millions et 3,8 millions ou 4 millions, il faut recourir à l'emprunt dans une moindre mesure sans dépasser par exemple 3 millions ou 3,5 millions pour être dans le désendettement. Bien sûr, rechercher aussi des emprunts bonifier ce qu'on peut appeler les emprunts verts. Lorsqu'on réalise un bâtiment plus économe énergétiquement, lorsqu'on va s'orienter sur la recherche de nouvelles énergies, mettre par exemple des panneaux photovoltaïques sur nos toits plats de nos bâtiments pour avoir peut-être des nouveaux gains en énergie, des nouvelles recettes, il faut qu'on puisse bénéficier d'emprunts verts pour réaliser cela. Et c'est cette démarche d'optimisation de nos recettes dans laquelle nous sommes inscrits. Bien sûr, réaliser les économies en fonctionnement, ça fait partie de notre priorité. A été évoqué tout à l'heure, et tout le monde y souscrit ici, le fait que le réseau de chaleur, parce que nous avions pris avec nos prédécesseurs, et j'ai une pensée effectivement pour celles et ceux qui ont pris des décisions à l'époque, une chaudière, un chaufferie bois urbaine au niveau du plateau du Madrier, qui contribue à pouvoir diminuer les charges locatives des locataires dans le parc social, mais aussi qui va pouvoir contribuer à réaliser des économies d'énergie dans nos écoles, comme l'école Duruy, les écoles Curie. Et bien ça va être aussi une occasion de faire des économies sur le chauffage. J'ai demandé déjà d'avoir dépenses moindres dans ce secteur-là de 200 000 euros. Et puis,
de pouvoir réguler les températures de façon encore plus attentive à l'intérieur de nos bâtiments, à l'intérieur de nos gymnases, peut-être de limiter encore cette température, de la baisser d'un ou de deux degrés Celsius dans les gymnases, de regarder la température de l'eau de la piscine, peut-être de la baisser aussi d'un degré Celsius, en demandant un petit effort en termes de vitesse de nage à nos nageurs. Ça peut aussi avoir lieu. Et surtout, demander un effort particulier à toutes les équipes municipales sur la question de l'extinction lumineuse dans nos bâtiments. Évidemment que nous nous sommes inscrits dans le plan de sobriété énergétique sur une réflexion très large à l'échelle du territoire sur les zones qui pourraient être partiellement éteintes dans nos espaces publics, même si je considère qu'il y a des secteurs sur lesquels il ne faut pas toucher pour prendre en considération le sentiment anxiogène, le sentiment d'insécurité vécu par nos habitantes et nos habitants. Il y a dans nos équipements un effort supplémentaire à faire. La direction générale a entendu le message et elle s'attelle à répéter ce message-là. Il faudra peut-être travailler encore au-delà sur peut-être des dispositifs techniques qui permettent à la fin des heures de présence dans les écoles d'avoir des extinctions et qu'on n'ait pas des habitants, qui nous disent « Monsieur le maire, pourquoi il est minuit et que c'est encore allumé dans l'école Langevin ?» C'est un exemple. Hein. C'est un exemple, Langevin. Il y en a d'autres. Non, mais bien sûr. Nous avons aussi à maîtriser nos dépenses de personnel. Il y a donc à regarder dans nos orientations quelles sont les organisations de travail à faire évoluer. Parce que je considère qu'il faut prendre en considération les risques sur la vie au travail, les troubles musculo-squelettiques, tout ce qui peut engendrer finalement des arrêts de travail sur nos agents. Il faut être donc dans la prévention pour éviter ces absences qui génèrent nécessairement des moyens complémentaires si on veut assurer le service public. Donc, lutter aussi, ça, Anne-Émilie Ravache, en tant que première adjointe chargée des ressources et des relations humaines, s'y attelle tous les jours, à lutter contre le travail isolé. Peut-être qu'il faudra aller plus loin sur la mise en mobilité dans nos véhicules municipaux, au lieu d'avoir un agent municipal, d'en avoir systématiquement deux, et peut-être de limiter le nombre de véhicules municipaux sur les routes pour limiter aussi les dépenses énergétiques à cet égard. Ce sont des pistes de réflexion que je propose à la discussion, il y en a sans doute bien d'autres. Il y a nécessité, ça a été dit, je crois qu'il faut l'assumer aussi collectivement, par rapport à cette situation inédite après la crise sanitaire, nous vivons une crise financière sur laquelle le gouvernement et le président Macron n'a pas décidé de nous accompagner. Il va falloir qu'on génère une ressource locale et cela se fera en actionnant le levier fiscal. Il est trop tôt pour donner une tendance par rapport à cela. Je ne souhaite pas qu'on dépasse les éléments liés à l'inflation, mais ne faire tout porter qu'à la réduction du service public rendu et aux zones, aux économies de fonctionnement, cela n'est tout simplement pas soutenable. Voilà les éléments que je voulais vous indiquer, en vous invitant à nouveau, selon vos dispositions, à vous joindre aux actions que je vais proposer en tant que maire pour la semaine du 21 au 25 novembre prochain. J'ouvre le tour de parole sur ce débat des orientations budgétaires. Léa Pavelski. Merci. L'essentiel a été dit sur le contexte dans lequel se tient ce débat d'orientation budgétaire. L'inflation frappe nos dépenses et l'État néglige
les besoins des communes et aussi celle de la population. C'est d'ailleurs ce dont témoignait le vœu que nous avons voté en ouverture de ce conseil municipal, demandant à ce que la dotation globale de fonctionnement soit indexée sur l'inflation. Concernant les orientations budgétaires de notre ville, notre groupe défend à nouveau de nombreux points déjà exposés lors du dernier débat d'orientation budgétaire, et même pendant celui de 2020, alors que la crise sanitaire avait un impact aussi déjà sur nos finances. Nous souhaitons aussi appuyer de nouveau notre point de vue, développé lors du conseil municipal de juin, alors que nous dressions un premier bilan de l'impact de l'inflation sur nos finances. Notre ville, elle est de fait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, en tout cas mon groupe, plus sensible que d'autres aux chocs sociaux et aux chocs économiques, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les populations des communes comme la nôtre sont plus durement impactées par la précarité et l'inflation et les besoins sont donc plus grands. Ensuite, nos moyens sont insuffisants. Encore une fois, c'est ce dont témoignait le vœu que nous avons voté en conseil municipal. Et puis enfin, notre équilibre budgétaire est toujours fragile malgré nos efforts pour réduire notre dette et son coût financier, une orientation que nous réclamions depuis plusieurs années et que nous saluons systématiquement depuis qu'elle est mise en œuvre et continue d'être mise en œuvre. Malgré ces efforts, nous ne sommes pas en capacité de recourir à l'emprunt pour couvrir la hausse de nos dépenses liées à l'inflation. Ça ne suffira pas. Nous ne pourrons pas non plus couvrir cette hausse en nous limitant à faire des économies. Les économies nécessaires sont trop importantes, cela a été dit, et l'essentiel de nos dépenses de fonctionnement est consacré au personnel. Les marges de manœuvre sont donc très limitées, ce que nous regrettons. Nous avons à plusieurs reprises alerté sur ce risque. Néanmoins, il est difficile à l'heure actuelle de nous projeter. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit en commission. De nombreuses lois ont été votées depuis cet été au Parlement pour soutenir les collectivités, mais nous ne connaissons pas encore le détail de ce soutien. Quand et à quelle hauteur serons-nous aidés pour couvrir nos dépenses liées à la hausse du point d'indice des fonctionnaires? Quand et à quelle hauteur serons-nous aidés pour faire face à l'explosion des coûts de l'énergie? Les suppressions d'impôts reversées aux communes, comme celui sur la valeur ajoutée des entreprises, seront-elles entérinées, compensées? Si oui, à partir de quand et pour combien de temps? Le gouvernement va-t-il augmenter les bases de l'impôt foncier? Toutes ces questions sans réponse nous limitent dans notre contribution à ce débat. Alors revenons sur ce que nous pouvons mettre au débat aujourd'hui, qui reprend ce que nous avons proposé au début de ce conseil. J'ai perdu ma ligne, mais je vais y arriver. S'inscrire donc, c'est ce qu'on disait en début de ce conseil, dans une démarche pour obtenir le label Citergie. Et c'est ce que nous avions dit en juin. Il ne suffit pas de colmater les brèches pour ce budget, il faut aussi se prémunir pour l'avenir. Nous réaffirmons ce besoin de retravailler à un meilleur équilibre budgétaire, non pas par principe, mais par nécessité. L'objectif, c'est bel et bien d'être en capacité de poursuivre nos politiques de solidarité et réussir à contribuer plus fortement à la transition écologique. On peut alors se poser certaines questions, comme quelles associations sur notre territoire souhaitent et peuvent rendre des services à notre population. Cela, en tout cas, mérite d'être étudié, puis discuté. Nous appuyons également notre demande quant à la méthode. Et ça aussi, nous l'avons déjà dit, les différents arbitrages pour ce qui relève des économies ponctuelles doivent être effectués au sein de la majorité, mais aussi en faisant appel à la population, par le biais par exemple de notre plateforme « Je participe », c'est comme ça qu'elle est intitulée, et d'une communication accrue par le biais de nos outils de communication, nos outils numériques donc, et le journal municipal. Si nous devons, par exemple, et cette idée ne vient pas de moi, je l'ai vue circuler dans une autre commune de notre département. Si nous devons par exemple réduire, enfin nous devons, c'est pas par exemple, nous devons réduire nos illuminations de Noël, nous pourrions tout à fait solliciter, c'est un exemple, la population pour trancher. Est-ce qu'on doit réduire les illuminations de Noël du point de vue des plages horaires, du nombre de semaines, en termes de quantité, tout ça à la fois? Il ne faut pas hésiter à solliciter la population. Aucune coupe budgétaire ne sera sans conséquence sur le service public communal. Et je pense que toutes et tous ici, nous en avons conscience. Et associer la population, c'est faire confiance à l'intelligence collective et s'assurer d'une certaine acceptation des décisions.
Pour des mesures pérennes, amplifions également, là aussi, l'ambition de la ville qui dialogue. Cela est d'autant plus important si les mauvais choix du gouvernement en matière de fiscalité et de soutien aux collectivités venaient se confirmer et que la question d'une hausse des taux d'imposition venait à s'imposer dans le débat à l'issue, au moment où nous aurons ces réponses. Souvenons-nous du mouvement des Gilets jaunes. Le consentement à l'impôt avait alors été mis à mal, puisque depuis plusieurs années, même d'ailleurs depuis plusieurs décennies, l'essentiel des contributions à la solidarité nationale repose sur le plus grand nombre, c'est-à-dire les classes populaires et les classes moyennes, et non sur les super-profits et les plus riches. Et à cela, il faut aussi aujourd'hui ajouter l'inflation. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres apports à ce débat d'orientation budgétaire ? Noura Amish. Comme à l'accoutumée, les représentants du grand patronat pleurent la bouche pleine pendant que le gouvernement joue la comédie d'une prétendue défense des plus démunis. Du côté des dépenses, si 11 000 postes de fonctionnaires doivent être créés, le nombre d'enseignants, lui, doit diminuer de 1985 postes, alors que leur manque est partout dénoncé. Le budget prévoit en revanche 3 100 postes supplémentaires en 2023 pour le ministère de l'Intérieur, qui enregistre ainsi la plus forte hausse de ses effectifs. L'autre ministère gagnant est celui de la Défense. Son budget s'élève à 43,9 milliards, soit une augmentation de 3 milliards en 2023. Un effort financier majeur pour permettre aux armées de s'adapter à un contexte international stratégique dégradé et incertain, a précisé le ministère. L'armée française devrait ainsi recevoir cette année, entre autres, 13 nouveaux Rafales, son second sous-marin nucléaire et 18 chars Leclerc rénovés. Ces achats et d'autres promettent donc de bien protéger les profits des industriels de la guerre, tels que Dassault, Thales ou le groupe MBDA, le deuxième producteur mondial de missiles. Le bouclier tarifaire contre les prix de l'énergie, qui représenterait une dépense de 45 milliards d'euros, continuera de bénéficier essentiellement aux grandes entreprises. La dette de l'État, dont l'augmentation justifie depuis des décennies les sacrifices imposés aux classes populaires, rapportera encore gros aux organismes financiers à qui l'État doit emprunter. La charge financière s'élèverait en effet de 51,7 milliards, le montant le plus élevé des cinq dernières années. Un peu moins que le budget de l'année 2022 de l'éducation nationale qui était de 56,5 milliards d'euros. Côté recettes, la TVA, l'impôt le plus injuste, il pèse à l'égalité. Sur le smicard et sur le milliardaire reste celui qui rapporte le plus. Les prétendues baisses d'impôts mises en avant par le gouvernement bénéficieront en 2023 comme en 2022 aux grandes entreprises. Allègement en 2023 de 4 milliards de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cet impôt dit de production qui doit même disparaître en 2024, baisse des impôts sur les sociétés de 3,7 milliards d'euros pour ne donner que quelques exemples. Pour les communes comme la nôtre, c'est évidemment que le choix budgétaire doivent prioriser les besoins de la population et les salaires des agents territoriaux. Et ceux-ci ne doivent pas être mis en concurrence. Aucune hausse d'impôts ne devra peser sur les particuliers. Ils sont déjà pris à la gorge par l'inflation. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Je n'en vois pas. Bien, je considère effectivement que les éléments constitutifs du débat d'orientation budgétaire ont été donnés. Je partage évidemment les questionnements, les incertitudes, puisque j'ai évoqué pour moi la question de préoccupation et d'inquiétude, c'est que pour le moins, ces inquiétudes viennent déjà de ces questionnements et de ces incertitudes qui ont été formulées à l'instant. Voilà, le problème de la quadrature du cercle, c'est que j'ai fait en tant que professeur
de maths et de sciences, un peu de géométrie, et je sais que la quadrature du cercle, j'ai jamais réussi à la trouver. Et en quelque sorte, ça veut dire que on ne peut pas d'un côté assurer le même niveau de besoins, répondre au même niveau, voire même à des besoins augmentés, pouvoir assurer le fonctionnement du service public avec des salaires et en même temps ne pas trouver de nouvelles ressources pour compenser cette hausse. Donc c'est ça qui, pour moi et pour vous, sera l'objet des échanges à venir pour notamment les débats qui auront lieu dans le cadre du vote du budget. Voilà. Je ne serai pas plus long là-dessus. Je vous remercie. Les échanges ont été satisfaisants en commission, satisfaisants ce soir. Et puis, je vous propose donc de prendre acte de ce débat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc, le débat a bien eu lieu à l'unanimité. La délibération numéro 9, il s'agit de constituer une provision pour dépréciation des comptes de tiers. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Délibération 10, il s'agit de préparer le passage à la nomenclature M57 pour le budget principal et les budgets annexes. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On ne va pas adopter à l'unanimité. Pour la délibération 11, toujours dans cette préparation de la M57, il s'agit de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 12, il s'agit de permettre de garantir un emprunt pour un prêt réalisé par l'Ogéocène dans le cadre de l'acquisition de 10 logements rue Paul-Éluard qui serviront dans le cadre d'un projet de location-accession. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 13, il s'agit de garantir l'emprunt contracté par le foyer Stéphanet. Alors, il y a deux prêts, les 13 et la 14, ça concerne la même chose. C'est la construction de 8 logements rue de l'Industrie. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Donc, la 14, même chose, mais pour un autre emprunt, pour le même objectif. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On n'en voit pas. Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 15, Madame Anne-Émilie Ravache. Merci Monsieur le Maire. Nous avons malheureusement eu un vol de véhicule et pour être indemnisé par notre assurance, il nous faut formellement procéder à la cession du titre de propriété dudit véhicule à l'assurance et nous serons après indemnisés à hauteur donc de 10 000 euros puisqu'il y a 500 euros de franchise. Je soumets ça à vos votes. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. La 16, Anne-Émilie Ravache. Oui, il s'agit de la création, d'un emploi non permanent et de la prolongation d'un autre emploi non permanent. La prolongation concerne le poste de chauffeur-livreur pour la quatrième tournée de portage à domicile que nous avons mis en place il y a maintenant presque 2 ans dans le cadre du PLUS, dans l'attente de la pérennisation de ce poste, mais dans un premier temps, il nous faut prolonger le support existant, le temps de passer par la suite une autre délibération, et ensuite d'enclencher la procédure de recrutement juridiquement ad hoc. Pour l'autre poste, il s'agit de la création d'un poste en catégorie A, d'ingénieurs en informatique. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, les problèmes de sécurité informatique et notamment de rançonnage qui touche les collectivités publiques de notre pays depuis maintenant plusieurs mois. Nous souhaitons donc créer un poste pour assurer un développement dans un premier temps
des systèmes de sécurité informatique. Donc c'est un poste sous forme de contrat de projet pour 3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, je reviendrai vers vous avec une proposition pour la suite et notamment l'entretien et la maintenance. Il n'est absolument pas évident que nous ayons besoin d'un temps plein par la suite uniquement dédié à la sécurité de notre réseau. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, le tableau des emplois. 17. Oui, il s'agit d'une délibération classique d'ajustement de nos organisations, avec notamment des modifications, par exemple, de grade pour certains postes. Et donc, il nous faut formellement supprimer un poste au grade actuel pour créer un poste au grade, au nouveau grade. Y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Adopté à l'unanimité. 18, Pascal Lecousin. Oui. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'affaires foncières au 89 rue Gambetta. Il s'agit de la cession d'un immeuble avec 2 logements de 77 mètres carrés. Donc, on propose de le céder au foyer stéphanais pour la modique somme de 140 000 euros. Voilà. Nous n'avons pas, évidemment, une vocation à assurer le rôle d'un bailleur social. Et lorsqu'on peut avoir, grâce à une cession, la possibilité d'avoir des recettes ponctuelles, eh bien, finalement, c'est ce que nous nous apprêtons à tenir comme principe. Merci, Pascal. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. 19. Alors, toujours affaire foncière, il s'agit d'une désaffection et déclassement du domaine public. Il s'agit d'un échange avec le foyer stéphanais. D'un côté, nous allons céder au foyer stéphanais une parcelle qui se trouve rue Yves-Montand de 1511 mètres carrés. Et en contrepartie, le foyer stéphanais va nous donner un espace extérieur qui se trouve au centre social culturel de Brassens pour 2321 mètres carrés. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. La 20. Alors, c'est une délibération que je vous avais déjà présentée au dernier conseil municipal. Il s'agit de l'immeuble Sorano, où nous sommes obligés de le racheter. Aujourd'hui, l'acquisition de l'immeuble total représente la somme de 3 657,891,45. Nous avons la possibilité d'échelonner cette vente sur 4 ans. Il s'agit d'entériner la dernière décision qu'on avait prise au dernier conseil municipal de la première tranche de l'immeuble Sorano pour la somme de 1 057 392,91. Donc il s'agit d'autoriser monsieur le maire à procéder à cette acquisition et à signer toutes les régularisations comptables et financières liées à cette opération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. 21, toujours le renouvellement urbain. Alors, encore une fois, des affaires foncières. Vous savez que rue du Madrier, nous avons acquis un certain nombre de logements. Nous avons engagé des démarches à l'amiable. Sur ce dossier-là, le 101 de la rue, 101 bis rue du Madrier et 2 rue Roland-Garros, ça n'a pas été possible. Donc, nous avons eu un jugement le 17 juin 2022 avec les époux El Karadi, la proposition Kadari. Comment ? El Kadari. El Kadari. La proposition qui a été formulée, c'est de céder, c'est de racheter les acquisitions foncières pour la somme de 394 703 euros, une indemnité principale de 350 000, une indemnité de réemploi de 36 000. Et une indemnité pour perte de loyer de 8 703 euros. Donc, il s'agit d'entériner cette cession. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Délibération numéro 22. Alors, un programme d'action foncière avec l'EPFN. Il s'agit aujourd'hui de racheter à l'EPFN un terrain 33 boulevard industriel. L'EPFN est intervenu sur ce terrain.
Donc le terrain nous sera cédé pour la somme de 77 209,73 €. J'ai du mal comme Krasuki parfois avec les chiffres. Il y a des votes contre, des abstentions, je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité, la 23. Alors, délibération urbanisme, délibération très importante, puisque, comme vous le savez, nous souhaitons requalifier et revitaliser le centre-ville. La 23. La 24. Parce que la 23, vous l'avez supprimée, monsieur le maire. Ah oui, d'accord. Il y en a qui ne suit pas. D'accord. Alors, je recommence. Il a raison. Alors, donc, il s'agit de soutenir la requalification et la revitalisation du centre historique. Nous avons donc engagé une étude autour de trois axes: la dynamisation commerciale et la valorisation des équipements, la recomposition d'un espace public structurant et fédérateur, la revalorisation de l'habitat. Et cette stratégie globale d'intervention servira de feuille de route, de schéma directeur pour définir et hiérarchiser les actions à mettre en œuvre à plus ou moins long terme. Il s'agit aujourd'hui de faire des demandes de subventions. Il s'agit donc de valider le lancement de l'étude, de procéder à la recherche de subventions et d'autoriser monsieur le maire à engager les régulations comptables et financières liées à cette opération. Voilà pour revitaliser le centre ancien qui a bien besoin. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Les affaires économiques, Pascal. 25. Il s'agit d'un village de Noël. Nous avons déjà eu la même expérience l'année dernière avec des artisans au centre Désiré. Il s'agit d'un village de Noël qui aura lieu le 3 décembre. Il sera en lien avec les commerçants de l'Union commerciale de Saint-Étienne-du-Rouvray, où il y aura aussi des animations rue Gambetta avec les commerçants. Il s'agit d'autoriser la manifestation le 3 décembre prochain, de valider le règlement d'occupation, de valider le formulaire d'appel à la manifestation et d'autoriser la mise à disposition du mobilier aux différentes interventions. Merci Pascal. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Donc on vous invite au village de Noël le week-end du 3 décembre. Le 26, sur les affaires sportives, Édouard Ménard. Oui, alors la première délibération que je vais présenter relève de demandes de subventions de fonctionnement de clubs sportifs. Suite à la dernière commission d'attribution de subventions, nous sont parvenues trois demandes. Une de l'association culturelle sportive euro-chinoise, une du Full Contact Stéphanais et une du club subaquatique du Rouvray. Il vous est donc proposé d'attribuer respectivement à ces trois clubs 1 500 €, 780 € et 300 € de subventions de fonctionnement. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. 27. La 27 porte sur le football club de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je profite de cette délibération puisque c'est une question footballistique pour dire que, bien entendu, je souscris pleinement aux déclarations d'intention faites en préambule de ce conseil et que, bien entendu, la municipalité ne servira pas de vitrine à quelque mascarade footballistique que ce soit. Et que nous avons toujours et continuerons toujours collectivement de défendre plutôt que de la compétition spectacle ou de la course à l'argent, le sport amateur, et en l'occurrence, là il s'agit de foot, nos 1 200 footballeurs stéphanais. Là, le footballeur dont il s'agit est membre du club du FCSER, et celui-ci souhaite obtenir son brevet de moniteur de football qui a un coût de 2 186 €. Il vous est donc proposé, au titre de la subvention aux formations, d'attribuer au club une aide de 1 000 € qui complétera les autres aides qui leur sont parvenues pour financer ce brevet de moniteur de football. Y a-t-il... oui, David Fontaine. Simplement pour dire qu'évidemment nous voterons cette délibération et que c'est tout à fait utile. Et je veux souligner le caractère convivial et bienveillant à la fois des propos d'Hubert Vulfranc tout à l'heure par rapport à la Coupe du Monde et également tes propos que tu viens de tenir par rapport à cette Coupe du Monde et par rapport à la position stéphanaise. Surtout qu'en plus, c'est les communistes à Lyon qui avaient demandé à ce que la ville appelle au boycott et que le maire écologiste de Lyon avait accepté justement de voter en conseil municipal ce boycott. Et donc c'est bien d'avoir ce type d'échange en toute bienveillance et en toute convivialité entre camarades.
Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. La 28. Vous m'entendez ? Oui. Dans le même cadre, nous soutenons le sport scolaire, en l'occurrence par le biais de subventions UNSS au collège et lycée. Celles-ci s'ajoutent aux mises à disposition d'équipements et locaux et s'élèvent à 2,29 euros par élève sur retour de bilan de l'année scolaire précédente. À ce jour, deux collèges et lycées ont retourné leur bilan. Il s'agit du collège Picasso, qui a accueilli 131 élèves l'année dernière, soit une très bonne année sportive pour cet établissement, qui a permis à ses élèves de pratiquer le basket, le tennis de table, le badminton, le futsal et l'escalade. Ensuite, il y a le collège Louise Michel, qui n'avait que 47 licenciés malheureusement, une baisse expliquée par la situation sanitaire, et qui a pu organiser une activité VTT tout au long de l'année. Et enfin, le lycée Le Corbusier, qui depuis 2020 n'avait pas eu d'activité UNSS, a repris avec 30 élèves qui ont pratiqué l'escalade, le futsal, le basketball, sport partagé, la musculation, le renforcement musculaire et le badminton. Il vous est donc proposé, étant donné leur retour de bilan, d'attribuer 299,99 euros au collège Picasso, 107,63 euros pour le collège Louise Michel et 68,70 euros pour le lycée Le Corbusier. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Merci. La 29, on passe au conservatoire. La 29, notre conservatoire et le conservatoire de Sotteville-lès-Rhône sont entendus pour permettre la continuité éducative d'une élève en harpe, étant donné que cette pratique n'est plus enseignée dans notre conservatoire. Le principe est simple, elle continue son parcours en s'inscrivant à notre conservatoire selon la tarification de notre conservatoire. Et nous sommes redevables de la différence tarifaire au conservatoire de Sotteville-lès-Rhône, en l'occurrence à la collectivité. Il vous est donc proposé le reversement de cette participation de 302 euros sur présentation de facture à la ville de Sotteville. Y a-t-il des avis contraires ? Abstention ? Adopté à l'unanimité. 30. Notre structure, le conservatoire et l'INSA, se sont associés depuis 2004 pour permettre aux étudiants inscrits dans la section musique, études, instruments d'intégrer le conservatoire à rayonnement communal de Saint-Étienne-du-Rouvray pour y poursuivre et valoriser un cursus musical dans le cadre de leurs études d'ingénieur. Tous les ans, nous renouvelons une convention d'accueil de 20 étudiants et c'est celle-ci que je vous propose pour l'année scolaire 2022-2023. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. 31. L'association Arteos propose un agenda participatif culturel en ligne et qui valorise les programmations artistiques accessibles aux personnes en situation de handicap notamment. C'est le cas du Rive Gauche qui propose des spectacles en audio description ou en traduction en langue des signes. Il vous est donc proposé, pour que nous puissions partager notre programmation sur le site Arteos, d'adhérer à l'association Arteos pour une somme assez modique, mais qui nécessite tout de même votre vote, de 15 euros annuels. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Merci. Rapport suivant. Donc c'est adopté à l'unanimité pour le 31. On est sur le 32 maintenant. Le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville. Tous les ans, nous revenons avec ce rapport sur la table. Puisque tous les signataires d'un contrat de ville, que ce soit le maire, le président d'une métropole, ainsi que les associations qui y participent, sont tenus de présenter annuellement à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville. Alors, ce rapport, qui était en annexe, il est présenté au Conseil citoyen, qui émettent eux-mêmes un avis à celui-ci avant qu'il vous arrive en Conseil. J'en profite d'ailleurs pour remercier les membres des conseils citoyens qui ont contribué à celui-ci. La programmation 2021 répond pleinement aux orientations et objectifs du contrat de ville. Le montant total de l'ensemble des actions s'élève à 1 312 264 euros, le principal financeur étant la ville à hauteur de 676 000 euros et 676 022 euros. Alors, j'ai relevé quelques exemples concrets. Par exemple, sur le volet insertion, cette année, nous avons permis à 73 personnes de participer à des chantiers citoyens. Sur le volet réussite éducative,
Il y a eu une augmentation de l'agrément de la maison de la petite enfance à 35 places, dont 10 en accueil occasionnel pour répondre au plus près aux besoins des familles relevées sur le territoire. Sur le volet santé, il y a eu la réalisation du programme d'action sur la nutrition, le parcours Stéphanie Nutrition Santé et la journée nutrition auprès des CM2. Nous avons continué les actions avec les adultes vulnérables, les biens dans son logement, les parcours éco-citoyens. Sur le volet culturel, les spectacles hors les murs du Rive Gauche, la poursuite du CTEJ, et puis enfin nos actions de prévention récurrentes. Alors voilà, je vous présente ce rapport pour émettre un avis favorable ou non sur sa mise en place sur l'année qui s'est écoulée. Donc pour émettre un avis favorable, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, avis favorable à l'unanimité sur ce rapport. Merci, Monsieur Bénard. Sur le rapport de David Fontaine, 34. 33 d'abord. Ah, mince. 33. Je veux que j'ouvre mes yeux plus grands. Et surtout que je ne saute pas les pages. Alors, Muriel Renaud, je vais vous donner la parole. Merci, Monsieur le maire. Bien, cette délibération concerne la restauration municipale. La loi EGalim et la loi AGIC fixent des objectifs nationaux en matière de restauration collective. Et dans le but d'anticiper l'application de ces lois, la métropole de Rouen a mis en place un système d'accompagnement auprès des communes volontaires. Alors, la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray s'est portée volontaire pour un accompagnement sur 2 projets. Le premier, c'est la réduction du gaspillage alimentaire et le second, le retrait des contenants plastiques. La métropole a choisi le bureau Verdicité pour pratiquer cet accompagnement auprès des communes. La métropole finance la totalité du coût de ces accompagnements et la ville prend à sa charge les moyens humains et matériels de mise en œuvre. Il est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la métropole. Oui, c'est une bonne chose. C'est un travail que l'on mène de façon aussi, là encore, à travailler sur l'augmentation qu'on peut voir hein, de tout ce qui est rejeté, finalement, en denrées alimentaires non consommées. Là aussi, c'est une question de sensibilisation auprès des enfants. Sur la question du gaspillage alimentaire, ça fait aussi réaliser des économies lorsqu'on regarde bien les choses à une autre échelle. Et puis la question, bien sûr, des matières plastiques, qui là encore issues en général de la filière pétrolière, même si c'est de moins en moins vrai, puisqu'il y a des plastiques biosourcés maintenant à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ce soir, il n'y a pas de bouteilles d'eau en matière plastique, mais qu'on a pris l'eau du robinet à vos côtés. Merci. Donc on fait soumettre au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Alors, c'est bien la 34 cette fois-ci. Merci. Deux délibérations sur les affaires scolaires et une délibération sur l'enseignement supérieur. Première délibération sur les affaires scolaires sur une modification de périmètre sur le secteur du Madrier-Château-Blanc, puisque ce périmètre scolaire a été remanié de façon à équilibrer les effectifs entre les différentes écoles, Curie, Robespierre, Massé Duruit. Il est proposé de modifier les écoles d'affectation des enfants domiciliés sur un certain nombre de rues pour avoir un équilibre entre ces différentes écoles. Très bien. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. La suivante. Sur la délibération 35, c'est l'adaptation du périmètre scolaire pour la rentrée 2024. Donc cette fois-ci, ça a été un très gros travail de la part des équipes de la ville, mais aussi avec notamment les équipes du département, puisque vous le savez, nous avons une nouvelle école qui va être en cours de construction à partir de 2023 pour, nous croisons les doigts, une ouverture en septembre 2024, qui est l'école Pierre-Sémard, au niveau de la Cité des Familles. Donc on a une proposition de révision de la configuration des périmètres scolaires, puisqu'évidemment un nouveau groupe scolaire qui va pouvoir accueillir plusieurs centaines d'enfants va complètement changer la donne. Aujourd'hui, pour mémoire, le groupe Langevin est plus gros à lui tout seul qu'un simple collège, puisqu'on dépasse les 410-420 enfants quasiment chaque année.
voire même plus, et donc à la fois en termes de confort, d'adaptation des lieux, d'éducation, mais aussi de sécurité. Évidemment, on est complètement hors normes et les écoles Curie également sont surchargées. Donc aujourd'hui, les facteurs pour cet réexamen, c'est la construction du nouveau groupe, l'inadéquation de certains secteurs scolaires avec cette évolution d'urbanisation, et puis le souhait également du département avec qui nous travaillons main dans la main de reconsidérer la sectorisation des 4 collèges de la commune. Donc il y a un gros travail collectif qui a été fait. Il apparaît que cette mise en cohérence peut s'effectuer en REP+ au niveau du collège Robespierre et des établissements du premier degré qui lui sont rattachés, voire du collège Louise Michel. Elle apparaît par contre plus limitée sur les réseaux des collèges Éluard et Picasso. Et donc il ne faut pas surcharger certains établissements ou au contraire réduire trop drastiquement les effectifs d'autres écoles, ce que nous faisons. Nous surveillons cela comme le lait sur le feu, comme on dit, chaque année, pour faire évidemment attention à la bonne santé de nos écoles et aux effectifs. Donc le but, évidemment, c'est de réduire considérablement le groupe Paul Langevin, qui aujourd'hui est surchargé, et légèrement le groupe Joliot-Curie, avec un nouveau groupe scolaire qui n'excède pas 400 élèves. Il est donc nécessaire de segmenter ce secteur entre les deux groupes scolaires, en considérant les voies de desserte, les impasses, et spécifiquement sur un petit secteur qui est en dessous du quartier des Castors, qui est un secteur en fait où il y a des impasses, et donc vous l'avez sur la carte, c'est une espèce de peigne qui peut apparaître un peu bizarre, et le travail des services a démontré qu'en effet, comme on était sur des impasses, certaines impasses sortent au nord de la commune, donc vers l'école Curie, et certaines impasses sortent plutôt vers le sud de la commune, donc vers l'école Pierre-Sémard. Et donc c'est pour ça qu'au-delà de périmètres relativement sobre et simple que vous avez sur l'ensemble de la commune, vous avez ce petit peigne qui vise à répondre à cette demande. Mettre l'ensemble du quartier vers Curie ou vers Sémard aurait déséquilibré les deux écoles. Et puis on regardera sur les premières années d'ouverture de l'école Pierre-Sémard comment ça fonctionne. Évidemment, comme on le fait déjà maintenant, ce qu'on appelle les dérogations scolaires, toutes les situations individuelles des familles, on fera preuve d'attention et de souplesse pour que cela puisse correspondre bien sûr à leurs habitudes quotidienne et à leurs besoins. Et ces modifications seront applicables pour l'année scolaire, donc de septembre 2024 et l'année 2025. Merci. J'attire juste l'attention de l'ensemble du conseil municipal sur le fait que on a pris le soin jusqu'à présent, je le dis par rapport à la façon dont tu as formulé les choses, de ne pas indiquer que le groupe scolaire qui allait intégrer un complexe culturel, sportif, soit dénommé le complexe scolaire Sémard. Il est le long de la rue Pierre-Sémard. Voilà, pour le moment, c'est comme ça qu'on a indiqué dans les différents documents qui vous ont été présentés jusque-là. Merci. On soumet ça au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Le vote sur le 36, David. 36, donc enseignement supérieur, c'est pour une convention avec l'université de Rouen-Normandie. D'abord, je souhaite associer, même s'ils ne sont pas officiellement à cette convention, qui est une étape extrêmement importante entre l'université et la commune, l'ensemble des écoles et surtout aussi le lycée Le Corbusier. Tout cela est une richesse communale au niveau du secteur du Madrier. C'est une fierté, c'est une chance qui est parfois méconnue à Saint-Étienne-du-Rouvray ou dans l'agglomération. Nous avons un pôle d'excellence, un pôle de connaissances, de savoir qui est extrêmement dynamique sur ce secteur du Madrier. D'ailleurs, on avait proposé il y a quelques années, peut-être qu'on pourrait reprendre cette idée-là que nous avions transmise, d'avoir un panneau autoroutier, le Madrier, pôle d'excellence, Saint-Étienne, ville ouvrière, en tout cas quelque chose qui pourrait reprendre un peu les deux, parce que je pense qu'il faut brandir l'étendard, surtout en ce moment, sur nos fiertés communales, et que mettre en exergue, comme il peut y avoir des bâtiments historiques ailleurs, ou parfois des zones d'activité ailleurs, le long de l'autoroute, pourrait être une demande qu'on pourrait faire à la société qui rapporte généralement assez d'argent à ses sociétaires sur cette autoroute. Sur cette convention, donc notre commune soutient le Village des Sciences, qui est organisé chaque année, qui avait lieu la semaine dernière et qui a rassemblé des milliers d'enfants. C'était un très grand bonheur de les accueillir. C'était extrêmement riche. On organise bien sûr avec eux les Assises de l'éducation, qui arrivent le 15 et 16 novembre. On vous rappelle les allocations municipales Horizon Études, qui encouragent les jeunes à poursuivre jusqu'au Bac plus 3, et puis les journées d'accueil des nouveaux étudiants, où il y a la présence des services municipaux.
C'était la proposition de l'université, parce que nous entretenons de très bons rapports, de proposer cette convention dans une volonté d'agir ensemble. Et pour reprendre quelques termes de la convention, eh bien, le but est de proposer des activités pédagogiques, contribuer à la formation des agents et des personnels de la ville comme de l'université, ce qui est très intéressant, construire des formations adaptées, communiquer ensemble, développer les connaissances, des projets éducatifs communs. Et donc c'est une nouvelle première pierre d'un partenariat riche entre cette université publique, un beau service public sur le territoire de la commune, et notre municipalité. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non, mais David, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations, bravo. Ensuite, la délibération suivante, la 37. Il s'agit de M. Didier Quint. Oui, merci M. le maire. Donc, deux délibérations en lien avec l'opération de requalification des copropriétés dégradées du Château Blanc, qu'on va appeler hors code. Donc, en décembre 2021, nous avions approuvé cette convention. Elle comprend notamment la mise en place d'un dispositif de gestion urbaine et sociale de proximité, dont la gestion et la sollicitation des subventions auprès de l'ANA, puisque c'est le financeur principal, ont été déléguées à la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray par la métropole Rouen-Normandie. Donc, c'est dans le cadre de cette JUPS, comme on dit, menée sur la copropriété Robespierre, que l'association CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie a sollicité une demande de subvention en vue d'accompagner les occupants, les propriétaires notamment, de ce quartier dans la défense de leur intérêt. Et CLCV a aussi élargi son action auprès des autres copropriétaires, des autres copropriétés dégradées qui font l'objet de leur code. Considérant l'implication de cette association et les charges générées pour elle-même dans cette mission, que je vous propose d'accorder une subvention exceptionnelle de 3 045 euros au titre du programme d'action pour l'année 2022, cette subvention étant financée par l'ANA. Merci Didier. Je soumets ça au vote. Il y a un petit mot avant pour indiquer, puisque tu m'y fais penser, que demain va avoir lieu la revue de projet en préfecture et qui va entériner donc l'ensemble des sommes importantes des partenaires qui s'engagent aux côtés de la ville pour permettre le renouvellement urbain sur le plateau du Madrier, intégrant notamment la question des espaces publics, mais aussi le fruit d'une réflexion, puisque on a au cœur de notre mandat un engagement de réfléchir, et c'est Marie-Pierre Rodriguez qui porte cela, sur la pertinence de mise en place d'un centre de santé municipal à Saint-Étienne-du-Rouvray. Eh bien, dans le cadre de cette réflexion, nous avons déjà recueilli l'avis de principe favorable des services de l'État pour que puisse, c'est une hypothèse, s'installer un futur centre de santé municipal sur le plateau du Madrier, en localisation à l'heure actuelle du centre de tri postal, c'est-à-dire la partie qui nous appartient, pas la poste. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui pourrait faire l'objet d'une valorisation dans le cadre d'un volet 3 d'un programme national de renouvellement urbain à porter, et qui pourrait donner lieu à un nouvel engagement dans un futur à déterminer, en tout cas pas dans le cadre du mandat actuel, mais une portance à faire dès maintenant sur cela. Et je remercie Marie-Pierre pour ce travail très très important qui correspond véritablement à un besoin qui émerge, enfin qui émergeait déjà, mais qui prend une ampleur jamais connue non plus. C'est-à-dire que les gens viennent me voir pour me demander, à moi en tant que maire, ce que je peux faire, parce qu'ils sont complètement démunis par rapport à la désertification médicale, au fait que les médecins qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, que des médecins même décèdent, et de ce fait-là, il n'y a pas de report de leur patientèle possible sur d'autres médecins en place au niveau de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils sont obligés parfois
d'aller vers une commune assez distante quand ils trouvent un médecin, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne trouvent pas de médecin. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on apporte une réponse forte à cet égard-là. Eh bien, Monsieur Quint, je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Quint, félicitations, bravo aussi. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a encore une délibération. Parce qu'il reste encore une délibération sur ce sujet. Il s'agit d'approuver la convention de participation financière entre la métropole Rouen-Normandie, CDC Habitat, Action copropriété et la ville de Saint-Étienne, du Rouvray, sur la mise en œuvre de la concession d'aménagement portant sur le recyclage foncier de la copropriété Robespierre. Donc cette convention d'Orcode, je l'ai dit précédemment, a été approuvée en décembre 2021. Cette opération va nous permettre de valider les participations financières et opérationnelles des différents partenaires que je viens de citer. Le projet d'aménagement lié à l'acquérance de la copropriété Robespierre est inscrit dans l'Orcode. Il sera réalisé dans le cadre d'une concession d'aménagement qui a été dévouée à CDC Habitat. Pour rappel, cette opération va avoir un coût de 18 462 202 euros, financé par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, à hauteur de 14 750 000 euros, par la métropole à hauteur de 2 782 651 euros et par la ville à hauteur de 927 551 euros qui seront versés sur 5 ans pour 154 552 euros par an. Donc je vous propose d'approuver cette délibération qui nous permettra de verser directement à CDC sans avoir une structure et un montage financier un peu plus compliqué. Et je voudrais rajouter quand même, puisque moi je reçois en permanence les habitants de Robespierre, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, et qu'il est grand temps qu'on fasse des choses parce que leurs conditions de vie sont inacceptables, intolérables, et qu'il y a vraiment... que ce qu'on fait là est extrêmement dur pour ces gens-là, mais va améliorer au bout du bout leur vie. Et c'est important. Merci pour ce rappel à l'humanité. Alors, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Deux délibérations à venir et qui terminent donc ce conseil. Marie-Pierre Rodriguez, la 39. Oui, donc je ne vais pas rappeler, monsieur le maire, l'état que vous avez fait de la démographie médicale sur notre commune en particulier, mais bon, qui est aussi la même sur l'ensemble de la métropole. Malheureusement, de plus en plus de professionnels de santé cessent d'exercer sur le territoire de notre commune, notamment les médecins généralistes. Cette situation est en inadéquation avec les besoins importants d'accès aux soins des Stéphanais, dont 25% résident dans les quartiers en géographie prioritaire. Et beaucoup de Stéphanais souffrent d'une mortalité prématurée élevée en lien avec, avant tout, les inégalités sociales. Donc, comme vous l'avez dit, pour faciliter l'accès aux soins de sa population, la municipalité examine la possibilité de la mise en place d'un centre municipal de santé. Au vu de la complexité et de la spécificité d'un projet de création de centre municipal de santé, le soutien, l'appui technique et l'expérience de la Fédération nationale des centres de santé s'avèrent indispensables. Il vous est donc proposé de renouveler l'adhésion à la Fédération nationale des centres de santé et de verser une cotisation annuelle d'un montant de 445 euros et d'autoriser M. le maire à signer le bulletin d'adhésion. Bien, merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité. Donc la dernière délibération, il s'agit d'une convention de partenariat entre la Caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe et la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray, déclinant une offre de services de la CPAM adaptée aux besoins prioritaires du territoire. Donc dans le cadre du NPNRU, il est prévu la démolition des locaux actuels de la CPAM plage Jean-Prévost.
convaincus de l'intérêt de maintenir des accueils de proximité pour faciliter la relation avec les publics les plus éloignés et de l'intérêt d'intégrer un pôle de service partenarial pour faciliter la transversalité, la CPAM souhaite être accueillie au sein de la future maison d'accès au droit qui habitera notamment notre mairie annexe actuelle, la maison de la justice et du droit et diverses permanences institutionnelles et associatives. En contrepartie de son hébergement à titre gracieux, la CPAM s'engage à développer une offre de services complémentaires sur le territoire de notre commune, y compris en amont de l'ouverture de cette maison d'accès au droit, qui n'interviendra qu'en 2026. Donc, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais bon, il s'agit de renforcer l'offre de soins, de lutter contre le renoncement aux soins, ou de faciliter l'accès aux soins comme l'a changé la CPAM, développer la prévention et faciliter l'accès aux droits. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, vous avez reçu la dernière version de la convention entre la CPAM et la ville qui vous a été adressée hier ou avant-hier, enfin, je ne sais plus. Si cette convention a été quelque peu modifiée, car elle était en relecture auprès du directeur de la CPAM jusqu'à lundi, elle ne modifie pas le sens général et l'engagement de la CPAM à développer une offre de services complémentaires sur notre territoire. Je pense qu'il est aussi important qu'on garde ce service de proximité et on a quand même un partenariat conséquent avec la CPAM dans le cadre de notre contrat local de santé. Ils ont répondu présent pour nous aider sur la réflexion pour la mise en place de la mutuelle. Là, ils ont répondu aussi présent pour travailler avec nous sur le contrat local de santé mentale qu'on envisage de mettre en place. Et il y a déjà une convention avec le CCAS hein, pour permettre l'ouverture des droits des personnes les plus exclues. Donc, pour toutes ces raisons, je vous demande d'approuver la convention de partenariat offre de services assurance maladie entre la Caisse primaire d'assurance maladie Droit et le Boeuf-Dieppe et la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention, ainsi que tout avenant qui interviendrait avant le terme de cette convention. Très bien. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je n'en vois pas. Adopté à l'unanimité. Félicitations, Marie-Pierre. Maintenant, on arrive au terme de ce conseil municipal. Je souhaite indiquer, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, que le registre de condoléances pour ce qui concerne Claude Collin, est à votre disposition à la sortie de la salle. Il va rester ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre pour l'ensemble de la population stéphanaise et au-delà, bien entendu. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de soirée.